Chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre notre séance par la séance de questions d'actualité du Parlement régional bruxellois. Juste avant, j'ai une petite communication à vous faire. Simplement vous informer que par courriel du 2 avril 2021, le groupe CDH communique la modification suivante. Madame Véronique Lefranc est désignée comme membre suppléante de la Commission de l'Environnement et de l'Énergie en remplacement de Madame Céline Frémaux. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer directement par la question de Monsieur Michael Vossart. Question adressée à Madame Barbara Tracht, relative au soutien régional au secteur dit non essentiel à la suite des décisions du comité de concertation du 24 mars. Ensuite, nous aurons la question de Madame Lefranc, qui est jointe à celle de Monsieur Vossart, relative aux aides régionales à la lumière des résultats du dernier baromètre des indépendants et PME bruxellois. Et enfin, la question de Madame Barzin, jointe à celle également de Monsieur Vossart, relative aux mesures régionales de soutien au secteur HoReCa au vu de l'action. On ouvre le 1er mai. Petit rappel, 2 minutes par question, 2 minutes par réponse pour les ministres et 1 minute pour la réplique. Comme ici, il y a 3 questions, évidemment, c'est 3 fois 2 pour la ministre. Je compte sur vous pour bien respecter le temps de parole d'avance. Merci. Monsieur Vossart, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? On vous entend, mais disons que vous êtes un peu loin comme ça. Il y a un petit... Peut-être vous rapprocher du micro, je ne sais pas où augmenter le son, mais sinon ça va. Hein. Oui. Donc, Madame la Secrétaire d'État, évidemment, le dernier comité de concertation n'a pas amené que de bonnes nouvelles, notamment pour ce secteur qu'on dit, malheureusement, on dit toujours non essentiel, mais ils sont essentiels, évidemment, ce secteur. Il y a eu l'effet yo-yo dans cette décision, notamment pour les métiers de contact où on a dû revenir en arrière vu les circonstances, vu surtout la situation épidémiologique et sanitaire défavorable, ce qui fait que le Codeco a remis les choses sur la table et donc a dû revoir un peu sa copie, ce qui peut aussi avoir des implications évidemment sur les autres secteurs comme l'HoReCa et d'autres qui attendent encore leur réouverture. On avait annoncé le 1er mai. Mais est-ce que cette date va rester vraiment celle sur laquelle ils peuvent compter? Alors, on n'insistera jamais assez sur justement comment les pouvoirs publics peuvent apporter leur aide dans ce cadre. On sait que toutes décisions que nous prenons ont un impact direct sur notamment la fréquentation de ces commerces. Même s'il y a eu le système click and collect, on voit, et c'est notamment Comeos qui a rappelé ça, qu'il y a une perte. Ça a été rappelé dans un article de presse récemment, qu'il y avait une perte, mais qu'il y avait une estimation même d'une perte allant jusqu'à 1 milliard d'euros pour ces magasins non essentiels belges. Bon, là, on est à l'échelle du pays, bien entendu. Alors, face à cette situation, et vu qu'on est dans la prolongation des mesures de confinement, j'avais envie de partager certaines pistes de solutions avec vous. C'est notamment au travers de la prime Tetra, cette formule d'indemnisation qui est en train de se mettre en place, mais c'était de réfléchir à une formule journalière, une indemnité journalière qui peut être développée. Donc, mes questions, comment la région bruxelloise va-t-elle aider les secteurs non essentiels suite aux dernières mesures prises par le Codeco? Est-ce qu'il y a de nouveaux dispositifs d'aide prévus? Qu'en est-il des autres pistes de solutions, et notamment cette question de l'indemnité journalière que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Merci pour vos réponses. Merci, Monsieur Vossart. Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, mercredi, on apprend dans la presse, le dernier baromètre des indépendants et PME bruxelloises a été communiqué. Et c'est moins que l'on puisse dire, c'est que c'était édifiant. En effet, malgré une légère amélioration, le baromètre est toujours dans le rouge. Par exemple, à la question « Qu'allez-vous faire pour garantir le fonctionnement de votre entreprise ?», 44% des indépendants vont réduire les coûts fixes, 29% vont élargir le marché ou investir dans la numérisation et 22% vont réorienter leur activité. D'autre part, et ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit que 22 personnes ont indiqué qu'ils vont arrêter, 22% donc, vont arrêter leur activité, entamer une procédure de réorganisation judiciaire ou une médiation ou encore pire, une faillite.
effet non, qui est quand même assez notable, c'est 17% d'entre eux indiquent qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire aujourd'hui. Alors c'est dans cette optique que j'aimerais vous poser deux questions. La première, qui est beaucoup plus globale, qui inclut pas mal de paramètres, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter l'état des demandes, du traitement et de l'octroi effectif des primes des commerces non essentiels? Pouvez-vous nous expliquer encore une fois le délai de ces primes, mais surtout pourquoi le formulaire de cette prime Tetra n'est toujours pas en ligne? J'ai vérifié ça le 31 mars sur le site 18-19. Et ensuite, j'aimerais savoir si est-ce que vous pouvez nous communiquer, est-ce que vous prévoyez de nouvelles aides au regard de l'actualité? En effet, bah, les primes que j'ai citées étaient dévolues au soutien de la deuxième vague, et nous sommes aujourd'hui dans un troisième lockdown quelque part pour les commerces non essentiels et les métiers de contact. Quels sont les nouveaux outils ou mécanismes que le gouvernement bruxellois a déjà prévus pour soutenir les commerces qui font l'économie de la région? Si rien n'est prévu, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Pouvez-vous aussi relayer votre réponse en la mettant en lien aussi avec une situation catastrophique? Cette semaine a été assez riche puisqu'on sait que il y a la non-reconduction, j'ai presque fini, Oui, du mais le droit temps est passé double là. droit passerelle. Et ensuite, j'aimerais savoir c'est quelles OK. garanties finalement pouvez-vous D'accord. justement donner aujourd'hui aux indépendants? Merci, Monsieur le D'accord, Président. merci Madame Lefranc. Madame Barza. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la ministre, ce 31 mars, une vidéo poignante a été mise en ligne et a depuis déjà été très largement partagée sur les réseaux sociaux. Derrière l'appel J'ouvre le 1er mai, de nombreux restaurateurs de la partie francophone du pays, parmi lesquels les Bruxellois emblématiques, notamment de La Paix, de la Villa Lorraine, du Comme chez soi, entendent rouvrir, quoi qu'il en soit, le 1er mai prochain pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, leur personnel, pour leur famille. L'HoReCa est aujourd'hui dans une situation où la reprise du travail devient vitale, d'où cette mobilisation. La question de la tension sur la trésorerie est bel et bien au cœur de ce point de rupture. Alors, Madame la Ministre, le 21 janvier dernier, soit il y a 2 mois et demi, votre gouvernement a approuvé la tant attendue prime Tétra, variable et destinée à l'HoReCa, mais également à l'événementiel, aux discothèques, au tourisme, à la culture et au sport. Il y a 15 jours, vous nous indiquiez attendre les avis du Conseil d'État et de Bruxelles Partners pour une ouverture de la prime début avril. Nous sommes le 2 avril et le 18-19 indique que cette prime n'est toujours pas disponible. Alors, à quelle date cette prime sera-t-elle enfin accessible? À cet égard, lors de notre dernière séance plénière, vous justifiez ce retard par l'augmentation de 25% du budget, compte tenu de la date de réouverture fixée début mai. Envisagez-vous une nouvelle augmentation du budget si la date de réouverture est officiellement postposée à nouveau? Est-ce ce qui justifie aujourd'hui ce délai supplémentaire? En outre, vu l'urgence réexprimée par le secteur, allez-vous accélérer les délais de liquidation prévus initialement à 1 mois? Qu'en est-il du soutien aux commerces dits non essentiels qui ont dû à nouveau partiellement ou totalement fermer leurs portes? Compte tenu des dernières mesures prises par le comité de concertation et de la situation sanitaire, étudiez-vous d'ores et déjà des mesures complémentaires pour aider les entreprises et les indépendants qui ont épuisé leurs réserves et qui sont à court de trésorerie? Madame la ministre, un restaurateur employant 4 TP a reçu 40 000 euros en Flandre, 22 000 euros en Wallonie et 7 000 euros à ce jour à Bruxelles. Ça ne va pas. Certains commencent à penser qu'on laisse Ok. crever Bruxelles au profit de la Flandre. Il s'agit D'accord. non seulement de la survie d'activités d'indépendants, mais aussi de la capacité de Bruxelles à se relever. C'est pourquoi nous vous demandons encore d'accélérer et d'amplifier la D'accord. réponse politique à Bruxelles et je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Barzin, Madame la ministre. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les députées, Monsieur le député. La situation sanitaire et les dernières décisions du comité de concertation ont effectivement mis à nouveau de nombreux commerces dans une situation délicate. Les commerces qu'on appelle un peu improprement, mais c'est l'appellation qui est passée dans le langage courant, non essentiels et les métiers dits de contact. Notre priorité aujourd'hui est de finaliser la prime Tétra. J'y reviendrai dans un instant, mais nous travaillons néanmoins déjà à des aides pour ces secteurs qui ont donc vu leur activité soit complètement fermée pour les métiers de contact, soit restreinte, l'exercice de leur activité restreinte. On n'a pas encore pu examiner le budget nécessaire, ni même l'impact de ces fermetures, l'impact réel de ces fermetures, de ces semi-fermetures sur les activités en question, mais nous avons un accord de principe pour travailler
à de nouvelles aides pour ces différents secteurs. Nous travaillons avec cohérence, l'ensemble du gouvernement, depuis le début de cette crise, en nous adaptant aux situations et à l'évolution de la pandémie et des mesures de restriction qui en découlent. Je rappelle qu'il existe également évidemment d'autres mesures de soutien, vous les connaissez bien, comme le prêt oxygène pour toutes les très petites entreprises de prêt oxygène qui octroient des prêts subordonnés. Monsieur Vossard, quant à une indemnité journalière, c'est évidemment une idée qui est séduisante et intéressante pour les destinataires. Elle est intéressante du point de vue des pouvoirs publics quand on est dans une situation dont on connaît la date finale. Dans le contexte qu'on connaît et avec le contexte budgétaire que l'on vit également, on ne peut pas se permettre d'avancer complètement à l'aveugle. Concernant la précédente prime au secteur dit non essentiel, celle dont les formulaires pouvaient être introduits jusqu'au 25 mars, Madame Lefranc, je ne dispose pas à ce jour des chiffres totalement finalisés. Cette prime vient de se terminer, mais à la rentrée, on pourra examiner en long et en large, évidemment, l'ensemble de cette prime, tant de sa première phase que de sa deuxième phase, et en examiner ensemble les enseignements que l'on peut en tirer. Concernant maintenant la prime TETRA, vous l'avez dit, nous avons déjà augmenté le montant du budget de la prime TETRA de 25% suite aux décisions de l'avant-dernier comité de concertation, ce qui a monté le budget global prévisionnel à 111 millions d'euros. La prime TETRA sera accessible le 19 avril. Les entrepreneurs et les secteurs en ont été informés. Il est important de préciser que de nombreuses concertations et consultations ont eu lieu, tant des secteurs que des interlocuteurs sociaux de Bru Partners, de même que ceux qui sont au conseil d'administration ou ceux qui sont à l'Assemblée générale. Le but et l'objectif que nous avons tous poursuivi, c'est que cette prime puisse être octroyée à un maximum de destinataires en difficulté. Les avis de Bru Partners et celui du Conseil d'État nous ont incités à modifier certains éléments de l'arrêté pour poursuivre cette même logique, donc pour permettre à un maximum de bénéficiaires en difficulté d'en bénéficier, et puis pour consolider aussi le texte sur le plan juridique. Suite à ces discussions, les hébergements touristiques, donc le secteur des hôtels, ont été retirés de l'arrêté initial et feront l'objet d'un autre arrêté qui va être présenté au gouvernement. Autre information importante également, c'est que le Conseil d'État, pour la première fois, nous a demandé, depuis le début de la crise, nous a demandé de consulter l'autorité de protection. Aïe, aïe, aïe. L'autorité de protection des données. J'espère que tout va bien. Cette consultation de l'autorité de protection des données va évidemment rallonger le délai, mais est absolument indispensable. Elle nous est demandée, imposée par le Conseil d'État. Elle est aussi nécessaire pour consolider la validité juridique du dispositif. À l'heure actuelle, donc, les arrêtés poursuivent leur parcours. Quelques étapes sont donc encore inévitables. Un nouvel arrêté, donc une nouvelle demande d'avis au Conseil d'État, toujours en urgence. L'avis de l'autorité de protection des données, et puis ensuite la dernière lecture au gouvernement, mais dans le même temps, bien entendu, nous finalisons l'interface informatique qui sera donc disponible le 19 avril. Et l'objectif, comme pour les primes antérieures, c'est d'aboutir à un paiement qui soit le plus rapide possible, soit un paiement en déant les 10 jours, comme c'était le cas en moyenne dans l'énorme majorité des cas pour les primes antérieures. Voilà, mesdames les députées, monsieur le député, les éléments de réponse que je pouvais vous apporter. Merci, madame Tracht. Monsieur Vossard, pour une courte réplique. Merci, madame la secrétaire d'État. Pour la prime TETRA, c'est une bonne nouvelle. Heureusement, on a maintenant cette date précise du 19 avril. On fera passer le message auprès des acteurs de terrain qui ont grandement besoin de cet apport. Et puis, pour l'autre aspect, donc c'était l'idée de l'indemnisation journalière et surtout de l'aide qu'on peut apporter à ces métiers de contact, secteur non essentiel, qui ont dû refermer leurs portes ou ont dû travailler encore dans une nouvelle configuration. J'ai envie tout simplement de porter le débat, de faire en sorte qu'on puisse avancer pour leur apporter une nouvelle aide parce qu'il y a une solidarité qui doit être de mise au sein de tous les secteurs. Je pense qu'on n'a pas intérêt à défendre un secteur plutôt qu'un autre. On doit vraiment montrer qu'on a envie d'apporter
des aides très concrètes. Vous l'avez dit, pas avancer à l'aveugle, j'entends bien, mais je vous invite quand même à ne pas balayer quand même cette idée d'indemnité journalière, voire d'une autre forme d'indemnisation un peu plus spécifique qui pourrait être mise en place pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas évidemment quand va s'arrêter cette crise, mais on a besoin de perspectives. D'accord. Sur ces secteurs. Merci. Merci, Monsieur Bossart. Merci. Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, si j'ai bien compris, rien n'est prévu pour la situation actuelle. Je vous ai demandé si vous envisagez de nouvelles aides au regard de ce qui s'est passé quand même cette semaine, pas de double droit passerelle. On est dans une situation où les baromètres sont là pour dire que les indépendants sont au bout du gouffre, on est dans une situation quand même hallucinante. Vous parlez de délai. Moi, je vous ai posé des questions à la dernière commission, ce n'était pas cette date-là du 19 que vous nous donnez aujourd'hui, c'est une nouvelle date que vous annoncez. C'est encore un délai de plus. Donc, on propose une aide, et puis 3 mois après ou 2 mois et demi après, cette aide, elle n'est même pas effective, il n'y a même pas encore le formulaire. Mais vous savez, Madame la secrétaire d'État, le temps du gouvernement, de son administration, ce n'est pas le temps des indépendants, des fournisseurs et encore moins des banquiers. C'est vraiment consternant. Merci Madame Lefranc. Madame Barzin. Merci Monsieur le Président, merci à Madame la Ministre pour ces précisions. Effectivement, 3 mois après l'annonce de la prime Tetra, c'est très tard et c'est vrai qu'on entend la bonne volonté et l'adaptation en fonction d'un élargissement des bénéficiaires. Néanmoins, au fur et à mesure que le temps passe, l'urgence est plus criante pour les acteurs économiques et en particulier de ces secteurs aujourd'hui à Bruxelles. Et donc, on ne comprend pas pourquoi à Bruxelles, c'est toujours plus lent et c'est toujours dans une enveloppe plus petite. Et donc, on ne peut que vous encourager à accélérer et à amplifier la démarche. J'ai bien noté que vous indiquiez que de nouvelles aides étaient en préparation. Ici aussi, nous espérons que vous anticipez un maximum pour effectivement être opérationnel le plus rapidement possible et nous reviendrons sur les modalités et les critères que vous allez apporter à ces nouvelles aides. Merci. Merci Madame Barzin. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Monsieur Jonathan de Patoul, adressée à Madame Vandenbrand, relative au projet de réaménagement de l'avenue Tervuren porté par la région flamande. En Vragenner Verstraten, toegevoegd aan die van de heer Jonathan de Patoul, betreffende project van de aanleg van het fietsnelweg op de Tervurenlaan. Monsieur de Patoul, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Donc, on apprend dans la presse de ce mercredi 31 mars que dans le cadre de son projet d'élargissement du ring autour de la région bruxelloise, la Werk Vennootschap souhaite réaménager l'avenue Tervuren et les Quatre Bras, avec en ligne de mire la finalisation d'une autoroute cyclable. À terme, on passerait donc de 4 voies à 2 voies de circulation pour le trafic entrant et sortant de la région bruxelloise. Une phase test d'un mois serait prévue à partir de la fin du mois d'août 2021. Alors, ce projet, Madame la Ministre, vous en doutez, suscite un certain émoi au sein de plusieurs communes bruxelloises directement impactées. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il me semble important, avant tout, d'y voir plus clair. Certaines informations émanant du bourgmestre de Beaulieu-Saint-Pierre ne semblent pas tout à fait correctes, a priori. Et donc, une fois encore, pour mon groupe politique, pour défi, c'est vraiment important de pouvoir objectiver, analyser et se concerter avec les acteurs locaux, les communes, les riverains, avant de se décider. Et donc voici mes questions, Madame la Ministre. Qu'en est-il du plan et des informations qui ont été reprises dans cet article de la Libre Belgique de ce mercredi 31 mars? Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce que c'est bien le tracé actuellement prévu? Et dans la négative, est-ce que vous pouvez nous expliquer le tracé ou les aménagements qui vont être réalisés? Est-ce qu'une attention particulière est apportée à la sécurité des usagers au croisement entre l'avenue de Tervuren et la chaussée de Tervuren, puisque c'est un croisement qui est dangereux? Est-ce qu'il existe des études sur les impacts environnementaux, sur les reports de charges, sur les quartiers avoisinants, les impacts économiques également, pourquoi pas? Quelles en sont les conclusions? Alors, selon certaines études, il y aurait un report de charges sur les quartiers avoisinants, et vous en conviendrez, ça ne cadre pas tout à fait avec l'esprit de Good Move. Est-ce que vous avez connaissance de ces études qui confirment ce report de charges? Est-ce que vous me confirmez que la période de test prévue est bien au mois d'août? Et donc, pourquoi ce mois? Est-ce qu'on ne peut pas allonger cette période également en septembre-octobre? Et enfin, une rénovation de la piste cyclable existante de l'avenue Tervuren est-elle, le cas échéant, envisagée de votre part? Je vous remercie. Merci, monsieur de Patoul. Meneer Verstraten, u hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter.
Mevrouw de minister, gisteren raakte bekend dat twee Brusselse burgemeesters zich verzetten tegen de inrichting van een fietssnelweg langs de Tervurenlaan ter hoogte van het Vierarmenkruispunt. En één argument dat erbij ontwikkeld wordt is, ja, er is al een klein fietspad, dus dan moet dat maar eventueel verbreed worden. Ook als dat ten koste gaat van mogelijk van bomen, van bos. En anderzijds is er ook het gegeven dat het gewoon een aanliggend fietspad is bij een brede straat waar 50 of meer gereden wordt. Dus dat is al zeker niet ideaal. Maar een tweede argument is opmerkelijker, denk ik. De genoemde burgemeesters geloven dat dit deel zou uitmaken van een kwaadwillige strategie om de autobereikbaarheid van Brussel te verminderen. Ten voordele dan van Vlaanderen. En het is ook opmerkelijk dat diezelfde stemmen zeggen dat Smartmove bijvoorbeeld dan niet kan, want er zijn niet genoeg alternatieven voor de auto. En ik denk dat wat mij meer treft hier, is dat het toch een goede illustratie is van hoe toxisch dat achterhaald communautair vijanddenken kan zijn voor Brusselaars. Hè. Brusselaars stikken vandaag in vervuilde lucht. En het zijn de Brusselaars die betalen voor de impact van de verkeersopstoppingen. Economisch, maar ook met hun gezondheid en met alle tijd die zij moeten verliezen in de mobiliteit. Dus in die context wil ik graag een aantal vragen stellen. Kunt u meer details geven over de mogelijkheden voor de verbreding van de bestaande fietspaden? Kunt u aangeven op welke manier dit deel uitmaakt van een betere bereikbaarheid van Brussel, een vlottere mobiliteit in de geest van Good Move? En voor alle modi en natuurlijk ook gezondere lucht voor Brusselaars. Welke stappen bereidt u voor om de dialoog dan aan te gaan met diegenen die wel schrik lijken te hebben voor dit project? En in verband met de test, die behoort blijkbaar tot de mogelijkheden, ik denk dat echt goed is. Ik wil graag vragen, zal die voldoende lang kunnen duren? Het is bekend dat er toch wel wat tijd nodig is, liever enkele maanden, vooraleer goede nieuwe gewoonten zijn aangekweekt. Dus dat is een vraag over de lengte van de test. Bedankt alvast voor uw antwoorden. Dank u, meneer Verstraeten. Mevrouw Van den Branden. Merci pour vos questions. Tout d'abord, comme vous dites, c'est un projet de la Flandre qui est pour l'instant proposé en phase test. Alors l'idée, c'est de rééquilibrer l'espace sans toucher la capacité automobile de l'axe. Alors ça peut sembler contre-intuitif, je suis tout à fait courant, mais la capacité d'automobile dépend principalement de la capacité des carrefours. Et les carrefours restent presque inchangés, donc normalement, il y aura, selon les études qui sont faites, il n'y aura pas une temps perdu de temps sur le temps de parcours. En revanche, avec l'espace gagné, le projet prévoit une vraie cyclostrade, une RER vélo pour les gens, et il y a un énorme potentiel. Les chiffres montrent aussi un potentiel jusqu'à 5 000 cyclistes par jour sur cet axe, qui peut même convaincre quelques nafteurs qui viennent actuellement en voiture de se déplacer à vélo, comme ça, faire en sorte qu'il y ait même moins de pression automobile sur cet axe. C'est aussi une amélioration pour la situation des piétons, surtout du côté sud, car comme les cyclistes auront leur propre espace, les piétons ne devront plus partager le sentier cyclable, et en même temps, nous sécurisons aussi les traversiers piétons à l'auteur des deux arrêts de tram, désolé, au milieu. Alors les piétons pourront traverser beaucoup plus facilement car seulement une bande automobiliste reste à traverser. Alors pour nous, c'est crucial de le tester parce qu'on sait qu'on ne veut pas un report. Il y a des analyses qui sont faites, des études, mais on veut faire, avant de le mettre en œuvre, on veut le tester pour voir si c'est vrai. Alors pour nous, c'est crucial qu'il n'y ait pas de report dans les quartiers aux alentours et que le trafic de transit ne se déplace pas dans les quartiers. C'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut d'abord tester cette situation avant la mise en œuvre. Et ça, c'est exactement comme M. De Patel dit. Pour l'instant, l'idée, c'est d'objectiver, d'analyser et de concerter. C'était le but d'exercice dans lequel on se trouve maintenant. C'est pour ça que la première étape que j'ai prise au moment que j'ai reçu la proposition, c'est d'aller voir les deux communes concernées, Ouderghem et Woluwe-Saint-Pierre, avec les études de Werkvernootschap et Brussel Mobilité en main. Alors, visiblement, le collège Woluwe-Saint-Lambert s'est prononcé sur une ancienne version du projet parce qu'il parle d'une réduction du carrefour 4 bas, ce qui n'est pas dans la version actuelle. Nous avons évidemment, M. Patou nous a évidemment fourni une étude d'une trentaine de pages. Je ne peux pas vous lire les 30 pages, mais oui, il y a une étude qui est faite, évidemment, ainsi que les analyses chiffres du trafic. C'est, évidemment, on veut d'abord consulter, on voulait d'abord consulter les communes avant de passer à la presse ou aux riverains.
Om misschien nog snel op de vragen van meneer Verstraeten te antwoorden. Dus ja, net zei, er is een potentieel van een 5000-tal fietsers op die as volgens de studies die voorliggen. En het is niet zo evident om de bestaande fietspaden te renoveren. Ik begrijp dat dat de meest logische reflex is. Maar als je stadinwaarts gaat, dan is dat direct aanliggend en minder dan 2 meter breed. Dus dat voelt heel onveilig aan, omdat je heel dicht bij de autoweg zit. En er gebeuren ook regelmatig ongevallen met auto's die voor een stuk naar dat fietspad overgaan. Het fietspad staat uitwaarts, ja, dat ligt in het bos en dat is eveneens minder dan 2 meter breed. Als we daar willen gaan verbreden, ja, dan gaan we bomen moeten kappen, dan gaan we moeten verharden. Dus zelfs mochten we daar toestemming van krijgen van monumenten en landschappen, wat quasi uitgesloten is, is dat ook geen evidente keuze om daar te gaan verbreden. Maar we krijgen daar ongetwijfeld ook geen vergunning voor. Daarnaast heb je nog de oversteek op het Vierarmenkruispunt, dat momenteel echt heel gevaarlijk is om over te steken. Dus daar is het voorstel om een fiets- en voetgangersbrug te maken, zodat je over dat kruispunt kan gaan in alle veiligheid in een eigen ruimte in plaats van er aan te zitten. Dus er zijn verschillende analyses gedaan om op de huidige fietspaden te werken, die te beveiligen. En daar is de analyse dat dat niet mogelijk is. Daarom is er nu een piste uitgewerkt om een stuk van de baanvakken te nemen. En ik herhaal, dat is gedaan op een manier waarbij dat de capaciteit van de kruispunten behouden blijft, zodanig dat de flux, de hoeveelheid auto's die per uur op de as kan passeren, hetzelfde blijft. Dus de reistijd zal op die manier, volgens de analyses die gebeurd zijn door de werkvernootschap, zal de reistijd niet toenemen, maar zullen we wel tijd, zowel ruimte winnen voor fietsers en daardoor ook fietsers voetgangers kunnen opdelen en dus ook veiliger situatie voor voetgangers creëren. Dus wij hopen dat dit een win-win situatie is die we minstens kunnen testen, zodat we die hypotheses in praktijk kunnen uitvoeren. Dank u, mevrouw Van den Branden. Monsieur de Patoul, voor een korte repliek. Oui, merci Madame la Ministre pour ces précisions qui sont intéressantes et je pense nécessaires. Alors c'est vrai que la Work Venos Cap, elle avance, elle a ses projets et c'est tant mieux pour elle, mais je crois qu'on doit quand même toujours rester attentif à l'intérêt des Bruxellois et ne pas tout toujours accepter. Alors ici j'entends bien qu'il s'agit d'une phase test, donc il faut un petit peu voir ce qu'il en découlera, parce que je vous avoue que j'ai quand même de grandes craintes par rapport à l'impact sur les quartiers avoisinants. Et ça me semble encore aujourd'hui pas très clair. Alors, je n'ai pas entendu de réponse à ma question de savoir pourquoi le test au mois d'août et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prolonger ce test en septembre-octobre, puisqu'il me semble que le mois d'août n'est quand même pas le meilleur mois que pour faire un test de mobilité à Bruxelles. Alors, par rapport au RER vélo, c'est vrai qu'on peut se réjouir d'améliorer une ville 100% cyclable, mais pourquoi est-ce qu'on ne rénove pas d'abord la piste cyclable existante? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen d'avoir un espace piéton et un espace cyclable? Parce que je vois M. Verstraeten qui sourit, mais c'est un espace qui est assez large pour le fréquenter fréquemment. Je vous remercie pour cette précision. Merci M. de Patoul. Meneer Verstraeten. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoorden. En effectivement, je souriais un peu parce que j'avais l'impression que mon collègue n'avait pas entendu l'ensemble de vos réponses, madame la ministre. Vous avez dit clairement qu'il n'y aura aucun impact négatif, selon les calculs, en tous les cas, sur la fluidité des trafics automobiles. Donc, ça veut dire pas non plus le trafic résiduaire dans des quartiers avoisinants. Vous avez bien expliqué qu'il n'y aurait pas moyen de travailler sur les pistes cyclables existantes. Et donc, moi, je pense que c'est excellent. Il faut qu'effectivement, on a besoin de politiciens et politiciennes qui donnent l'importance principale aux intérêts des Bruxellois. De Brusselse belangen staan voorop hier. En dus de mensen vragen om een stad die aantrekkelijker is voor alternatieven. Een stad op mensenmaat. En daar is waar u werk van maakt. En ik hoop van harte dat het een succes wordt met de test. Dank u, meneer Verstraeten. Très brièvement, parce que le fast test, là, pourquoi en août, c'est le début qui est prévu en août, mais on peut le prolonger et c'est pour ça que j'ai rencontré les communes pour leur demander quand est-ce que vous préférez faire le test, sur quelles conditions, sur quel endroit est-ce qu'il faut faire des mesures. L'idée, c'est de créer le fast test aussi avec eux et aussi le temps du parcours du test pourrait être prolongé. C'est juste le début qui était pour l'instant proposé de commencer en août, mais je répète, pour nous, le but, c'était de se concerter et de ne pas avoir un débat médiatique pour l'instant. Merci, Madame la Ministre. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de Monsieur Ibrahim Domnez, adressée à Madame Van den Branden, relative à l'état d'avancement de la future ligne 3 du métro. Monsieur Domnez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la presse de ce jeudi 1er avril relatait l'entame du creusement d'une section de 150 mètres de tunnel sous les voies ferroviaires de la gare du Nord
entre la rue du Progrès et la rue d'Arscott. Alors, la finalisation de cet ouvrage, attendu pour 2025 au plus tard, permettra la transformation de la jonction pré-métro Nord-Albert en véritable métro. Alors, la seconde phase des travaux concerne quant à elle la réalisation d'un tunnel de 4,5 km allant de la gare du Nord à Bordeaux et prévoit la création de 7 stations de métro situées à Scarbeck et à Evere. Cette seconde phase devrait être terminée entre 2030 et 2031 selon l'article. Pour cette phase, le timing exposé dans la presse évoque un lancement de l'enquête publique début 2022 et la délivrance d'un permis fin de la même année. Le début du chantier serait alors prévu pour début 2024. Madame la ministre, mes questions seront les suivantes. Pouvez-vous nous préciser si l'étude d'incidence de la jonction Gare du Nord-Bordeaux a déjà été lancée? Quand est-ce que cette étude d'incidence sera-t-elle finalisée? Le planning relayé par la presse pour ce lancement des travaux de cette seconde phase dès début 2024 est-il exact? Correspond-il avec le plan de financement prévu? Je vous remercie. Merci, Monsieur Donmez. Madame la ministre. Alors, merci pour votre question. Alors, la presse de ce jeudi 1er avril relatait l'entame du creusement d'une section de 150 mètres de tunnel sous les voies ferroviaires de la gare du Nord entre les rues du Progrès et d'Arscott. Alors, la finalisation de cet ouvrage est attendue pour 2025 au plus tard. Permettra aussi la transformation de jonction pré-métro de Nord-Albert en véritable métro. En total, ce sera 10,3 km permettant de relier les stations de Bordeaux et Albert en seulement 20 minutes, et surtout aussi de faire quelque chose à la pression qui est actuellement sur cette tronçon-là. La seconde phase des travaux concerne quant à une réalisation d'un tunnel de 4,5 km allant de la gare du Nord à Bordeaux et prévoit la création de 7 stations situées à Scarbeck et Evere et un dépôt. La seconde phase devrait être terminée en 2030-2031. Je peux vous aussi confirmer que l'étude des incidences M3 Bordeaux Nord a été lancée en novembre 2019 par Belliris. Cette étude sera, si tout continue bien, clôturée avant cet été. Pour cette phase, le timing exposé dans la presse évoque un lancement de l'enquête publique en début 2022 et la délivrance d'un permis de la fin de la même année. Le début du chantier est alors prévu pour le début 2024. Alors, il y a des coûts évidemment liés à la construction de ce nouveau tunnel, cette station. Le nouveau dépôt est repris aussi dans l'estimation actuelle du plan pluriannuel des investissements de la STIP qui a été évidemment validé par le gouvernement. Merci, Madame la ministre. Monsieur Donmez, pour une courte réplique. Je voudrais d'abord remercier la ministre pour ses réponses. Alors, la prolongation de cette ligne 3 est extrêmement importante pour lutter contre la congestion dans notre région. Il est très important que le timing soit respecté au niveau des travaux si on veut vraiment inciter nos concitoyens à un switch modal. Et il faut vraiment qu'il y ait la création de cette alternative. Nous suivrons effectivement de très près l'avancement de ce gros chantier qui nous attend. Merci. Merci, M. Demez. L'incident est clos. Nous passons à présent à trois questions sur le même objet. Celle de M. Vincent De Wolf, adressée à M. Vervoort et M. Marron. Rôle éventuel du ministre-président dans la gestion du rassemblement de masse du 1er avril 2021 au bois de la Cambre. De Vraag van Mevrouw Bianca de Baats, toegevoegd aan die van de heer Vincent de Wolf, bijeenkomst op 1 april 2021 in het Terkamerenbos en overwogen maatregelen om het bezoekersaantal van de Brusselse parken tijdens de paasvakantie te beperken. Et enfin, la question de madame Frémont, également jointe à celle de monsieur de Wolf, relative à la gestion du rassemblement du 1er avril 2021 au Bois de la Cambre par les autorités régionales bruxelloises. C'est monsieur Marron qui répondra, le ministre-président étant excusé. Monsieur de Wolf, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, merci. L'absence de monsieur le ministre-président me pose problème parce que les questions qui lui sont adressées en actualité aujourd'hui concerne sa compétence spécifique de coordination de l'ordre public pour les événements majeurs, qui est une compétence héritée de l'ancienne compétence du gouverneur et qui, à ma connaissance, n'est pas délégable. Donc,
J'émets des réserves quant à la façon dont on traite alors les parlementaires qui ont posé la question, et je pense que ce n'est pas conforme aux répartitions de compétences au sein du gouvernement. Je demande que ce soit acté. Cela étant, tout le monde a vu les images de ce qui s'est passé au bois de la Cambre par rapport à un faux festival, à un poisson d'avril particulièrement malheureux, aux dizaines de policiers qui ont été, enfin dizaines pas, mais aux nombreux policiers qui ont été blessés, aux autres personnes qui l'ont été, aux dégradations. Et donc, je sais que des débats ont eu lieu et auront lieu au conseil communal de la ville. Moi, ce que je souhaitais, c'était interpeller ici le ministre-président dans sa compétence spécifique. Parce que, vous le savez, les bourgmestres sont responsables du maintien de l'ordre public dans leur commune. Ils sont officiers de police administrative supérieure. Ils doivent coordonner, autoriser ou refuser les manifestations. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'événements d'ampleur, comme c'est manifestement le cas qui s'est produit hier, une coordination avec le fédéral est nécessaire. Et ma question était au ministre-président de savoir s'il a été en contact avec le directeur de coordination. J'ai vu que l'hélicoptère était là, que les drones étaient là, que les arroseurs de la fédérale étaient présents. Donc, je suppose qu'il y a dû y avoir des contacts. Ma question, c'est ont-ils eu lieu? Quand ont-ils eu lieu? Y a-t-il eu coordination de l'intervention préventive du ministre-président avec le bourgmestre, oui ou non? Est-ce que le ministre-président a prescrit des mesures préventives, par exemple quant aux limitations et d'entrée dans le parc? Et donc, voilà quel était l'objet de mes questions pour vérifier si le ministre-président a fait œuvre de ses pouvoirs d'ordre public et de bonne coordination avec la zone de police Bruxelles. Capital. Merci, Monsieur De Gaulle. Juste pour information, les réponses que Monsieur Marron va vous communiquer sont des réponses qui ont évidemment été transmises par le cabinet du ministre-président, évidemment en accord avec le ministre-président. Mevrouw De Baet, u hebt het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, de afgelopen dagen werden onze Brusselse parken overspoeld door mensen. Daar is niets mis mee. Mensen wonen krap, vaak met grote gezinnen. Dus dat mensen graag het groen opzoeken, kunnen we begrijpen. Maar ook in Ter Kamerenbosch was het deze week erg druk. En met een toch wel zeer triest hoogtepunt gisterenavond. Het bilan spreekt voor zich. Duizenden mensen aanwezig op een illegaal feest. Die mensen hebben zich ongetwijfeld een paar uur goed geamuseerd, terwijl ondertussen mensen sterven en op intensieven liggen. Je moet eigenlijk maar durven. 27 agenten zwaar gewond, dat is het bilan. Mensen die dachten we gaan 's avonds terug naar ons gezin, we doen ons werk, werden opnieuw zwaar gewond. En daarbij spreek ik nog niet van het besmettingsrisico. 2.000, 3.000, misschien zelfs meer mensen samen op een kleine oppervlakte. Dat is op zich al een bijzonder risico. Vandaar dat ik graag de volgende vragen eigenlijk ook graag aan de minister-president had voorgelegd. Maar goed. Kan u toelichten op welke manier het gewest betrokken werd bij de voorbereiding van het vermijden van dit event? Want de teneur die ik nu hoor bij de beleidsverantwoordelijke van de stad vind ik een beetje vreemd. Hè? Men wringt zich nu in een slachtofferrol, terwijl dit perfect had kunnen vermeden worden, had ik ook al op de gemeenteraad maandag gezegd. Hoe heeft het gewest dat mee verhinderd of niet verhinderd? Wat hebben ze ondernomen? Was het gewestelijk crisiscentrum gisteravond betrokken bij de politieactie? Welke stappen heeft u ondertussen ondernomen om toekomstige incidenten te vermijden? Want zoals collega's wellicht weten, staat ook vanavond terug een dergelijk feest gepland in Ter Kameren, Labim. Wat gaan we doen om te vermijden dat het terug zo ver komt als gisteren? Kan u toelichten wat de Brusselse regering onderneemt om te anticiperen op de mogelijke drukte de komende dagen? Dan spreek ik niet alleen over illegale raves en feestjes, maar hoe dan ook, als het mooi weer aanhoudt, weten we dat het zeer erg druk zal worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er niet meer dan toegelaten mensen aanwezig zijn? En tot slot, meneer Marot, dat is wel een vraag die u rechtstreeks aanbelandt. Ik ben gisterenochtend om 9:00, ik ben klaar, even gaan rondwandelen in Ter Kameren, 9:00 's morgens. Ik zou u eigenlijk de beelden willen laten zien, en u weet dat. Oké.
kilo's afval. Hè. Dus okay. Wat gaat u doen om mensen op hun verantwoordelijkheid, hun burgers in te wijzen, maar ook om ervoor te zorgen dat de parken netjes zijn? Dank u, mevrouw De Baet. Alors, nous passons à présent à madame Frémaux. Vous avez la parole, madame Frémaux. Je vous remercie, monsieur le président. Alors, depuis hier soir, il y a des images terrifiantes qui circulent à propos de la fameuse boum qui s'est déroulée au bois de Lacan. Personnellement, je trouve que tout est tristesse et échec. Un manque d'anticipation suffisant, des violences, du sang qui couvre le visage de nos policiers et une jeunesse qui est plus que déboussolée. Je pense que c'est une succession de ratés qui appelle aussi un sursaut dans cette crise. Et un contexte particulier entourait ce faux événement, un contexte qui doit mettre en alerte les autorités compétentes, une température estivale, un renforcement des mesures Covid, une décision judiciaire qui n'est peut-être pas comprise de tout le monde non plus. Et je voulais poser les questions suivantes de façon très précise. D'abord, sur la fameuse notion d'anticipation, est-ce qu'il y a eu une analyse de risque à l'annonce de cet événement il y a déjà plusieurs semaines? Dans l'affirmative, par qui est-ce que cette analyse de risque a été faite? Quel est le contenu? Quelles mesures ont été prises en fonction de la dite analyse? Est-ce qu'une communication, notamment à destination des réseaux sociaux, a été mise en place dans les jours qui ont suivi l'annonce de la fausse boum? Et quel a été le suivi dans les semaines qui a été opéré par BPS, dont le rôle est la prévention en matière de sécurité? Sur le volet de l'information, quand et comment le gouvernement a été informé de la dégradation des événements hier après-midi? Est-ce que l'administration du ministre-président a suivi en temps réel le déroulé de la journée? Par quel canal et quelles propositions ont été formulées pour appuyer la police locale? Et puis enfin, évidemment, un volet de la prévention, puisqu'on apprend il y a quelques heures qu'une autre fête sauvage, entre guillemets, est en train de s'organiser, qui s'appelle par ailleurs l'Abîme. Est-ce que des événements similaires sont annoncés sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'ils sont gérés au niveau local et au niveau régional? Est-ce qu'une campagne spécifique est prévue par BPS à destination des publics jeunes afin d'éviter des rassemblements qui dégénèrent de façon dramatique pour tout le monde? Je vous remercie. Merci, madame Frémaux. Monsieur Marron. Tout d'abord, pour préciser, je me fais ici le porte-voix du ministre-président. Et donc, quand je vais parler en jeu, il s'agit en fait du jeu du ministre-président. J'aimerais intervenir parce que je pense que ça ne méritait pas les insultes que vous avez adressées hors micro à mon collègue Vincent Dehol, qui était totalement déplacé, et j'aimerais exiger des excuses pour mon collègue. Je pense que ça n'est pas correct. Je vous avoue, je n'ai rien entendu. Eh bien, moi, je l'ai entendu très clairement et je n'étais pas la seule. J'aurais relevé ça, franchement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur le Président, je n'ai rien entendu. Ça ferait honneur à personne. Je me tourne vers... Monsieur Marron, je ne sais pas de quoi on parle. Je suis prêt à répondre à toutes les questions au nom du ministre-président, sans aucune insulte. Bon, monsieur le Président, il était porté à ma connaissance que notamment un autre ministre du gouvernement a entendu monsieur Marron me traiter de quel connard. Oui, et j'étais trop loin pour entendre, mais j'ai vu aussi le langage corporel entre madame Van den Brandt et monsieur Marron. Et déjà rien que le langage corporel m'avait aussi un petit peu choqué. Sans entendre les propos. Rien entendu. Bon, allez, on avance. Je ne sais pas s'il y a eu, mais ça ne peut pas avoir lieu ici, dans ce Parlement. On se respecte les uns les autres. Monsieur Marron, vous avez la parole pour la réponse. Dus, in antwoord op uw vragen over de gebeurtenissen van gisteren, wil ik eerst nog even benadrukken dat de regels in verband met samenscholingen op de openbare weg vastgelegd zijn in het ministerieel besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020 en in de latere wijzigingen daarvan. Daarin is bepaald dat maximaal 50 personen mogen deelnemen aan statische betogingen op de openbare weg, waarbij de sociale distancing kan worden gerespecteerd en die voorafgaand door de bevoegde gemeentelijke overheid werden toegelaten. Le ministre de l'Intérieur a déjà eu l'occasion par le passé, de souligner auprès des bourgmestres qu'il faut toujours avoir à l'esprit un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et le respect des règles sanitaires définies dans l'arrêt ministériel du 28 octobre 2020. Ce sont ces directives qui sont appliquées par les bourgmestres en région de Bruxelles-Capitale. De gebeurtenissen van gisteren zijn absoluut betreurenswaardig.
zijn vonden plaats op het grondgebied van de stad Brussel en dus was de politiezone Brussel of stad Elsene bevoegd om op te treden. La zone de police Bruxelles-XL a sollicité la région pour pouvoir gérer le rassemblement au bois de la Cambre depuis le centre de crise régionale. Le fait qu'une zone de police sollicite le centre de crise régionale n'implique pas que la gestion soit opérée par Bruxelles et Prévention et Sécurité. Dans ce cas, la région apporte uniquement des moyens matériels en appui, à savoir la technologie du centre, mais ne se substitue en aucune façon aux zones de police et bourgmestres. Vu que la gestion des événements du Bois de la Cambre se déroulait dans le centre de crise, BPS a pu suivre le déroulement des événements. Je vous rappelle, si besoin en est, que l'intervention du ministre-président en qualité de gouverneur est subsidiaire à celle des bourgmestres et suppose le constat préalable d'un manquement dans la gestion locale du maintien de l'ordre et qu'en l'espèce, la situation était parfaitement gérée par les forces de l'ordre et le bourgmestre. Par conséquent, je, Rudy Vorwoord, n'ai pas été amené à intervenir d'une manière quelconque dans la gestion de ces événements locaux. Zoals u weet, was het evenement via de sociale media aangekondigd. De lokale politie kreeg hulp van het cybercenter dat geleid wordt door de federale politie, maar vooral door het gewest wordt gefinancierd. Dankzij die ondersteuning kon de politiezone bepalen welke manschappen en materiële middelen nodig waren en konden de hulpdiensten snel worden ingeschakeld. L'équilibre entre le droit de se rassembler et le respect des mesures sanitaires est un élément auquel les bourgmestres sont régulièrement confrontés et qui a déjà été débattu en Conseil régional de sécurité. Ils sont parfaitement conscients que cet équilibre est délicat. Les bourgmestres restent, quoi qu'il arrive, les mieux placés pour appréhender le maintien de l'ordre sur leur territoire. Ils connaissent mieux que tout autre responsable politique les spécificités sociologiques et topographiques de leur commune. À Bruxelles, ils savent qu'ils peuvent en outre faire appel à tout moment en cas de besoin aux renforts fédéraux, mais également à l'appui matériel de la région, tels que par exemple l'ouverture du centre de crise régional, le recours aux drones, etc. Lors du CORES de cette semaine, il leur a d'ailleurs été rappelé que le centre de crise régional était à la disposition de toutes les zones de police bruxelloises, ainsi que la procédure pour activer ce centre. Ik wil er ook aan herinneren dat Brussel Preventie en Veiligheid, BPV, de gewestelijke instantie sinds het begin van de crisis ondersteunt en coördineert. Ze werken Leefmilieu Brussel en BPV samen om ervoor te zorgen dat de maatregelen in de parken en groene ruimten worden nageleefd door de diensten van de directeur-coördinator en het federaal coördinatiecomité. Op de hoogte te brengen van de problemen waarmee de parkwachters in de praktijk te maken krijgen, de vragen om sterkere controles, de soms uiteenlopende interpretatie van wat toegestaan is. Il y a eu un important travail à faire sur les interprétations de ces mesures sanitaires arrêtées par la ministre de l'Intérieur, mais aussi leur opérationnalité, leur bonne compréhension par le public et le personnel des administrations. Ce sont des collaborations qui sont amenées à se poursuivre. Sur les dernières questions en termes de propreté publique, là je peux vous répondre en mon nom propre. Les autorités ont répondu rapidement puisque l'échevin de la propreté de la ville a lancé un appel à volontaires. J'ai par ailleurs demandé à Bruxelles Propreté d'envoyer en solidarité avec les agents communaux et vu les circonstances exceptionnelles, des équipes en renfort, des équipes donc de Bruxelles Propreté. Il y avait ainsi près de 60 personnes dès 6 heures ce matin, agents de propreté de la ville et de la région, jardiniers citoyens, pour procéder au nettoyage qui va encore se poursuivre cet après-midi. L'événement a eu des conséquences lourdes aussi sur la végétation et principalement les pelouses. Merci, Monsieur Marron. Monsieur De Wolf, pour une courte réaction. Monsieur le Président, en dehors de mon temps de parole et brièvement, je souhaite que soit acté que je demande des excuses de Monsieur Marron parce que nous sommes dans un Parlement, que je suis vice-président du Parlement, que j'ai 23 ans d'activité parlementaire, bientôt 30 ans d'activité comme bourgmestre, et que je pense ne pas m'être déshonoré dans l'exercice de mes fonctions. Je ne peux pas tolérer qu'on me traite de connard dans l'enceinte parlementaire. Et ce n'est pas parce que je suis en conflit avec Monsieur Marron, et je maintiens ce conflit. À propos des questions sanitaires, je peux respecter son point de vue, mais il lui appartient de respecter le mien, et je ne suis pas sûr que le sien soit plus fondé que le mien. Pour le reste, la réponse de M. Vorwoord, et pas celle de M. Marron, me convient.
J'ai posé une question précise. Je n'ai pas demandé si le ministre-président était intervenu, avait pris des décisions. Le caractère subsidiaire de l'intervention du ministre-président et du gouverneur m'est connu avant que M. Marron ne commence la politique. Et donc, je comprends ici que le ministre-président a estimé ne pas devoir intervenir et je peux me satisfaire des réponses que j'ai entendues. Ça n'aurait pas empêché le ministre-président d'intervenir de fût-ce qu'informellement en soutien et de téléphoner au bourgmestre pour voir s'il n'y a pas besoin d'aide. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur De Wolf. Mevrouw De Baat, pour une courte réaction. Ja, ik heb ook toch wel het gevoel dat men hier ook weer die hete aardappel naar elkaar doorstuurt. Hè. De stad heeft niet ingegrepen. Het gewest had dat kunnen doen, heeft dat ook niet gedaan. En men had verschillende dingen kunnen doen. Men had het parket kunnen inschakelen om de identiteit van de organisatoren te achterhalen. Is niet gebeurd. Men had vanaf een bepaald uur het Ter Kamerenbos kunnen afsluiten. Of mensen kunnen filteren bij aan ingang. Men heeft dat niet gedaan. En men zegt dan, men kan het park niet sluiten. Want dan vraag ik mij toch wel af, als het stormt vorige week nog, kan men wel het park afsluiten. Men wil zelfs het park afsluiten voor auto's. Maar voor een illegale rave waar 3000 mensen naartoe komen, zou men het park niet kunnen afsluiten. Een heel vreemde logica. Kortom, alles wat nu nog gebeurt en alle grote verklaringen, want we vinden het jammer, jammer voor onze agenten, en we zullen streng zijn en we gaan de daders bestraffen, dat zijn allemaal vijgen na Pasen. Men had het perfect kunnen verhinderen. En ik ben eerlijk gezegd ook in het antwoord van de minister helemaal niet gerustgesteld voor activiteiten zoals die van vanavond en misschien die ook nog de volgende dagen zullen georganiseerd worden. Ik hoop dat u de situatie beter onder controle... Dank u, mevrouw De Baat. Madame Frémaux, voor een korte reactie. Je remercie, monsieur le président. Peu de réponses à mes questions précises sur l'analyse de risque, ou alors je ne l'ai pas entendu, sur le canal de communication qui a pu être hier utilisé et sur la gestion anticipative des événements similaires qui sont annoncés, puisque encore cet après-midi, on annonce des événements semblables d'abord au parc du Cinquantenaire qui se déplaceraient aussi au niveau du Bois de Lacan. Quand la réponse formule le fait que la situation était parfaitement gérée, je voudrais juste vous dire quand même que c'est une appréciation très personnelle qui me semble fournie. Si les choses avaient été parfaitement gérées, on n'en serait pas arrivé à la situation d'hier soir. Je pense qu'il est plus que temps d'avoir une gestion publique qui soit sereine, qui anticipe au mieux, que ce soit les malades du Covid que nous pouvons éviter, les commerçants, les indépendants fermés, une jeunesse qui se sent ignorée, des parents à bout, des aînés isolés, et j'en passe. Et je pense que collectivement, nous le méritons toutes et tous. Je vous remercie. Merci, Madame Frémaux. L'incident est clos. Het is nu de beurt aan meneer Matthias van den Borre voor zijn vraag aan meneer Vervoort. Ik denk dat het is meneer Gats die zal antwoorden. Betreffende wettigheid van de Brusselse avondklok in het licht van de recente uitspraak in Korte Gedding waarbij de Belgische staat werd veroordeeld. Meneer van den Borre, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn federale collega's en ikzelf hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor het gebrek aan wettelijke basis voor de coronamaatregelen. Nu woensdag heeft de rechtbank van eerste aanleg dat gebrek bevestigd en beveelt ze de federale regering te voorzien in een wettelijke basis binnen de 30 dagen op straffen van een dwangsom van 5000 euro per dag. Maar ook de Brusselse paarsgroene regering is in hetzelfde bedje ziek. Maandenlang vraag ik de minister-president naar een analyse over de impact van de vervroegde avondklok in Brussel. Elke jurist is het erover eens dat deze inperkende maatregel fundamenteel en proportioneel onderbouwd moet worden. Maar dat is momenteel dus niet het geval en dit al maanden. De grondwet wordt op die manier gereduceerd tot een vodje papier. Het is niet dat al de coronamaatregelen zelf fout zijn, maar ik meen wel dat de bestuurlijke chaos extra argumenten geeft om de maatregelen te negeren. Getuige ook het bedroevend schouwspel gisteren in Ter Kamerenbos. In dat verband heb ik de volgende vragen. Ten eerste, wat zijn de gevolgen voor de vervroegde Brusselse avondklok indien het federaal kader wegvalt?
Heeft de beslissing van de rechtbank de Brusselse regering ervan overtuigd dat motivatie en onderbouwing van de eigen vervroegde avondklok noodzakelijk zijn? Op welke studies, evaluaties of andere onderbouwing baseert deze regering zich om de avondklok te vervroegen? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Dank u, meneer Van den Borre. Meneer Gats. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van den Borre, het antwoord in naam van de minister-president luidt als volgt. Net zoals u laat de uitspraak in kort geding waarover de vraag gaat mij niet onverschillig. En u weet dat ik er geen gewoonte van maak om commentaar te geven op beslissingen van de gerechtelijke macht. Toch wil ik graag verduidelijken dat deze uitspraak er is gekomen naar aanleiding van een specifiek geschil tussen twee welbepaalde partijen. En deze beslissing in kort geding heeft dus niet dezelfde waarde als een vernietigingsbeslissing door de Raad van State die geldt erga omnes. De maatregelen zijn dus niet vernietigd en zullen dat ook niet zijn na 30 april. De Belgische staat heeft bovendien, dat weet u, beslist om in beroep te gaan bij het Hof van Beroep en wij zullen de verdere procedure in die zin afwachten. Maar de essentie is dat deze uitspraak natuurlijk wel de verdienste heeft om de schijnwerper te richten op de werkzaamheden van het voorontwerp van de pandemiewet waarover de debatten en de hoorzittingen op 5 maart zijn gestart in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. En voor deze tekst is het belangrijk dat de maatregelen die in de toekomst genomen moeten worden naar aanleiding van een zware crisis, zoals degene waarmee wij vandaag kampen, gezondheidscrisis, een duidelijker wetgevend en legitiem democratisch kader krijgen, met de vaste intentie te voorzien in 3 elementen: de bescherming van de burgers, het recht op privacy en de proportionaliteit van eventuele sancties. Het is een speling van de kalender, maar de dag waarop de uitspraak in kort geding werd gedaan, formuleerden wel degelijk de verschillende politieke fracties hun aanbevelingen aan de federale regering voorafgaand aan de voltooiing van het wetsontwerp. Bovendien verwachten wij ook een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State tegen 30 april om meer duidelijkheid te brengen in de debatten. Ik vermeld dit omdat de tekst die voorligt op het federale niveau een specifiek juridisch kader is, complementair aan wat we noemen de administratieve politie, waarvoor wisselwerkingen kunnen bestaan met het normale rechtskader zoals de minister van Binnenlandse Zaken benadrukt. Wat nu die administratieve politie betreft, heb ik de leden van dit parlement er steeds aan herinnerd dat wanneer ik op dit gebied optreed, ik dat uitsluitend doe met mijn gouverneurspet, tussen aanhalingstekens, en dus in mijn hoedanigheid van orgaan van een bovengemeentelijke entiteit met rechtspersoonlijkheid, namelijk de Brusselse agglomeratie. Kortom, ik treed in deze zaak niet op als orgaan van het gewest, en ik blijf op dit punt hameren, maar wel aanvullend op de maatregelen die door de minister van Binnenlandse Zaken genomen zijn. En zo heb ik naar aanleiding van het overlegcomité van 24 maart en gezien de bijzondere gezondheidssituatie in het Brusselse hoofdstedelijk gewest, 45% van onze bedden op intensieve zorgen worden door COVID-patiënten ingenomen, dan ook besloten de aanvullende maatregelen in Brussel te verlengen tot 25 april. En deze mogelijkheid van verlenging was ook ter sprake gebracht en besproken in de gewestelijke veiligheidsraad op 10 en 30 maart. Daarbij dient men erop te wijzen dat, indien dat nog nodig zou zijn, dat alle Brusselse maatregelen samen een geheel vormen, een samenhangend geheel. En die maatregelen kent u, dat is de avondklok waar u naar verwijst, maar ook het verplicht dragen van een mondmasker, de sluiting van de winkels op een bepaald uur, het alcoholgebruik in de openbare ruimte, de uithuiszettingen en dergelijke meer. En om op uw vraag te antwoorden, wil ik u meegeven dat het regelgevingskader dat op federaal niveau aangenomen zal worden, daar gaan we dus wel van uit, uiteraard ook gevolgen zal hebben voor de eventuele aanvullende maatregelen die ik zal moeten nemen op het gebied van de administratieve politie, in het kader bijvoorbeeld van een gezondheidscrisis zoals we die vandaag helaas nog altijd meemaken, aangezien de betreffende bevoegdheid een federale materie blijft. Er worden veranderingen verwacht en de minister van Binnenlandse Zaken heeft in haar antwoord aan de leden van de Kamer op donderdag 31 maart trouwens niets anders gezegd. Ik citeer de minister van Binnenlandse Zaken, wat de maatregelen op lokaal niveau, en dan hebben we het over de burgemeesters en of de minister-president in Brussel, betreft, zal worden nagegaan of meer duidelijkheid kan worden verschaft en met name welke maatregelen door de lokale autoriteiten kunnen worden genomen en met wie zij in dat geval overleg moeten
plegen. Dus de volgende weken zal er zeker nog verdere verduidelijking zijn en ook vooruitgang. Dank u, meneer Gats. Meneer Van den Borre, voor een korte reactie. Ja, dank u wel, minister Gats, voor het omstandig antwoord. Drie elementen. Ten eerste moeten we toch vaststellen, daar kunnen we niet omheen, dat het vonnis een regelrechte blamage is voor de federale regering en bij uitbreiding de paars-groene coalitie die ook hier aan zet is. Er wordt onomwonden gezegd dat het beleid dat vandaag van kracht is, onwettig is, in strijd met de grondwet. Dus ook de Brusselse maatregelen. Ten tweede, zo'n chaos, bestuurlijke chaos, geeft denk ik voeding aan mensen om die maatregelen te overtreden. Net zoals we gisteren ook hebben gezien. Er is geen draagvlak meer door die zelf gecreëerde chaos. En ten derde, daar heb ik u niets weer over horen zeggen, is het absoluut noodzakelijk dat u voor de toekomst dus maatregelen onderbouwt en die avondklok en andere maatregelen in Brussel, dat u daar wel een basis, een wettelijke basis, die voldoende gemotiveerd is, voorziet. En ook hier lijkt het mij niet, alleszins, dat kan ik niet uit uw antwoord opmaken, dat u daar momenteel aan werkt. Dus ik roep u op om voor die wettige basis te zorgen. Dank u wel. Okay. Dank u, meneer Van den Borre. Het incident is gesloten, l'incident est clos. Nu geef ik graag het woord aan meneer Kennis voor zijn vraag aan meneer Smet betreffende de samenstelling van de expertencommissie die het good living process van hervorming van de Brusselse stedenbouwkundige regelgeving zal begeleiden. Meneer Kennis, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte staatssecretaris, in de pers vernamen wij gisteren dat de expertencommissie is samengesteld die het Good Living traject zal begeleiden. Met dat traject wil u de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren. In uw regeerverklaring geeft uw regering ook aan Brussel te willen maken met alle Brusselaars en in een inclusief besluitvormingsproces. In deze commissie ontbreken daartoe volgens ons toch belangrijke perspectieven. Want zoals wij denken dat politiek te belangrijk is om enkel aan politici over te laten, is in de woorden van Giancarlo De Carlo ook architectuur en stedenbouw te belangrijk om aan architecten over te laten. In reality, architecture has become too important to be left to architects, schrijft hij. La commission des experts est en effet principalement composée des architectes et des urbanistes. Elle représente donc une partie bien spécifique de la population avec laquelle pas tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises pourront s'identifier. Il est alors difficile pour nous de s'imaginer que cette commission puisse réellement s'identifier avec tous les Bruxellois et Bruxelloises et leurs besoins. Il me manque plus spécifiquement les experts de terrain, de l'espace public dans cette commission. Les personnes qui travaillent au quotidien, les facteurs, les éducateurs de rue, les jeunes, les artistes, les éboueurs, etc. Waarom zijn er geen sociaalwerkers in deze expertencommissie opgenomen die dagelijks in de publieke ruimte werken en met een heel divers publiek? Wat met de sociologen, waar zijn die, de sporters, de jongeren en zo verder? Waarom zijn er geen vertegenwoordigers van het middenveld opgenomen in de commissie? Er zijn voldoende organisaties die niet anders doen dan in en met de publieke ruimte werken en die u daarvoor zelfs ondersteunt met de regering. Want zeker in tijden van lockdown is een actieve en inclusieve publieke ruimte essentieel voor onze samenleving. Graag hoor ik dus van u hoe de samenstelling van deze commissie is gebeurd. Op basis van welke criteria werden de leden gekozen, voor welke periode en met welk mandaat zijn ze aangesteld? Hoe zal de expertencommissie werken? Krijgen de leden een vergoeding? En is een herziening van die samenstelling beoogd of mogelijk of voorzien? Ik dank u alvast. Meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. De bedoeling is hier om een gewestelijke stedenbouwkundige vergunning te schrijven. Dat is in het verleden een vrij technische, technocratische aangelegenheid al geweest. We hebben daarom beslist om het uit te breiden met een commissie die de ambtenaren zal bijstaan en de regering zal bijstaan om een nieuw instrument, zowel voor het bouwen als de publieke ruimte, in te richten, te schrijven. Uiteraard is er al veel voorbereidend werk gebeurd. Er is onder de vorige legislatuur een eerste lezing gebeurd. Er is al een
publiek onderzoek geweest, waar meer dan 2000 opmerkingen zijn gekomen. Er zijn heel wat adviezen binnengewonnen. Er is ondertussen ook een rapport over densiteit van Benoît Meriets. Er is heel de COVID-crisis geweest. Er is ons regeerakkoord. Er is Good Move. Er is Good Food. Er zijn al heel wat plannen die op tafel liggen. En men begint hier niet van nul. Het is niet dat hier een beleid moet gemaakt worden. Het is hier om een gewestelijke stedenbouwkundige vergunning in een kader te maken. En we hebben juist precies met die commissie puur technisch willen overstijgen. En als u heel goed kijkt naar het profiel van de mensen die in die commissie zitten, zal u merken dat het meer zijn dan mensen die enkel architect of stedenbouwkundig zijn, maar dat die een brede maatschappelijke visie op steden en op Brussel in het bijzonder heeft. Dus dat is één. Ten tweede, de commissie bestaat uit vaste leden, maar zal daarnaast, naar gelang het onderwerp, kunnen beslissen om een thematische sessie te organiseren. En zo zal zij ongetwijfeld wel één over de publieke ruimte, inbegrepen mobiliteit, organiseren, waarbij dan ook nog andere experten kunnen worden uitgenodigd, specifiek over die materie. Maar nogmaals, heel veel van het beleid ligt vast in Good Move. En dat is een co-constructieproces geweest, zoals u weet, gedurende 2 jaar. Ten derde, we hebben inderdaad gevraagd aan Inter-Environnement, on a en fait demandé à Inter-Environnement de faire partie de la commission, mais ils ont refusé. Ils ont proposé quelqu'un d'un comité local d'être là à titre individuel. Mais bon, ça c'était quand même un peu plus compliqué. Mais j'avais demandé à Inter-Environnement d'être dedans, dans la commission, mais ils n'ont pas voulu participer. Bon. On a essayé. Hein. Quatrièmement, la composition du commissaire est maintenant fixée, mais encore une fois, c'est libre à eux de se organiser et de, j'espère dans 6 mois d'avoir une première nouvelle RRU qu'on appelle dorénavant Good Living sur la table. Terminé avec Yvon, les non-fonctionnaires vont recevoir un jeton de présence qui est comparable à celui qui est donné au comité de Benoît Meriets. Je vous remercie. Merci, meneer Smet. Merci, monsieur Smet. Meneer Kennis. Ja, ik denk de staatssecretaris voor zijn antwoorden. Ik denk dat inderdaad goed is om te weten dat het over een technische kwestie gaat, maar ook in technische kwesties kunnen heel diverse profielen zich zeker inwerken. Ik denk dat we hier in dit parlement niet voor niets een gemengde commissie over 5G gaan houden, technische kwestie, met uitgeloten Brusselaar. Dat kan. Dus ik twijfel niet aan de mensen die in die commissie zitten, maar ik denk wel dat het belangrijk is om echt met een breed perspectief ook die reglementen te schrijven. Parce qu'on peut bien consulter tout le monde, mais si par après, dans l'application, on n'a pas toutes les perspectives, ça risque de se perdre de nouveau. Donc voilà, moi je suis bien curieux de voir ces moments thématiques et j'espère qu'ils auront lieu pour vraiment inclure tout le monde, notamment pour la conception de l'espace public. Pour ce qui concerne l'inter-environnement, je suis étonné de voir qu'ils ont refusé, mais il y a des autres organisations qui pourront peut-être prendre place aussi. Je vous remercie. Merci, meneer Kennis. Het is nu de beurt aan mevrouw Oussen voor haar vraag aan de heer Vervoort en Smet. Wie zal vragen? Wie zal vragen, meneer Smet of meneer Gats? Oké. Dus meneer Gats zal antwoorden. Dus het is de vraag van mevrouw Oussen betreffende plannen van de regering voor de gevangenissit van Sint-Gilis. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste meneer de minister, we konden gisteren in de pers vernemen dat u, dus meneer de minister-president, in een brief aan de federale regering hebt laten weten dat het Brussels gewest snel eigenaar wenst te worden van de gevangenis van Sint-Gilis. De regering wil zo vermijden dat de site verloedert wanneer de gevangenis leeg komt te staan. Gisteren zou de regering beslist hebben om ook daartoe enkele bijkomende delen van de site als erfgoed te beschermen. De site in zijn geheel biedt effectief heel wat mogelijkheden om vorm te geven aan een nieuwe toekomstige stadswijk. Ik heb in dit kader de volgende vragen. Wat was precies de inhoud van de brief die u gericht heeft aan de federale regering? Hoe staat het ondertussen met de algemene klassering van de site? Hoe zullen de gemeenten betrokken worden bij het vormgeven van de nieuwe plannen?
op te zitten? En op welke manier zullen Brusselaars in het algemeen en buurtbewoners in het bijzonder betrokken worden bij het van onderuit creëren van de plannen voor deze site? En tenslotte, wat zijn de plannen voor het tijdelijk gebruik van de site wanneer deze vrijkomt? Is er al begin gemaakt met een project hiervoor? Maakt u uw brief aan de federale regering hier ook gewag over? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u, mevrouw Oussen. Meneer Smet, finalement. Eigenlijk is meneer Smet die zal antwoorden. Meneer Smet. Ja, er is inderdaad gisteren door de regering beslist om belangrijke gedeelten van het gebouw te beschermen. Dat gaat over de muur, de omwallingsmuur, kant Duc Pichon. Dat gaat over het centrale aas, over de kapel, over een vleugel. En dat is belangrijk, omdat op die manier het erfgoedaspect kan behouden blijven. Tegelijkertijd is inderdaad vanuit de regering een brief naar de federale overheid gestuurd, omdat die eigenaar is van de site. En zoals u weet zal vanaf 2022 de gevangenen overgeplaatst worden naar de nieuwe gevangenis in het noordelijk deel van Brussel. Er wordt verwacht dat dat in 2024 ten laatste volledig zal afgerond zijn. De grote bezorgdheid van de regering is dat dit terrein leeg komt te staan, dat dat verloedert. En wij zouden dus liever op zijn minst een tijdelijke bezetting hebben, een functie daarin hebben. Er zijn ook tuinen, groene omgeving er rond, dat opengesteld kunnen worden aan de mensen. En vooral, los van de tijdelijke bestemming, lijkt het ons ook superbelangrijk te weten wat de federale overheid daarmee gaat doen, in welke mate dat dit naar het Brussels gewest kan overgedragen worden, hoe er eventueel gezamenlijk een ontwikkelingsproject kan gebeuren. Maar het spreekt voor zich dat wij vanuit het Brussels of stedelijk gewest een project willen dat een gemengd project is van huisvesting, tuinen die er zijn vele dingen die opengesteld moeten worden naar de buurt, een echte stadsontwikkeling waar ook andere functies kunnen zijn, gemeenschapsfuncties. Er is een eerste haalbaarheidsstudie gebeurd, dat toont aan dat er heel wat potentialiteit is. En wat we eigenlijk nu willen is om proactief met de federale regering rond de tafel te zitten en dan samen met de gemeenten ook, samen met de bewoners komen tot een ontwikkeling van die site die een heel groot ontwikkelingspotentieel heeft. Maar wat we absoluut moeten vermijden is dat er een verloedering optreedt na de leegstand en dat het een soort stadkanker wordt die blijft aanslepen. Dus we moeten nu proactief optreden. Dat heeft de minister-president geschreven. Ik heb zelf dat ook aan de staatssecretaris, toen ik die ontmoet heb, een maand geleden, de federale staatssecretaris dan bevoegd voor de regie, die boodschap overgedragen. En we willen dan ook zo snel mogelijk met hun rond de tafel zitten. Ik dank u. Dank u, meneer Smet. Mevrouw Oussen, voor een korte reactie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de staatssecretaris, voor uw volledige antwoord. Effectief, het is een site met heel veel potentieel om een heel mooie gemengde stadswijk in te maken met effectief aandacht voor woningen, maar ook voor uitrustingen en ook voor groen in die buurt. Ik hoor dat daar wordt ook gekeken om die tijdelijke invulling, effectief om dat zeker al een overeenkomst over te gaan maken. Ik hoop dat we ook snel daar nieuws over horen. En het is zeer goed dat er stappen worden ondernomen om snel hier werk van te maken. Dank u wel. Dank u, mevrouw Oussen. Nous passons à présent à la question de madame Parmentier, adressée à monsieur Marron sur l'annonce d'un tarif social de l'eau. Vous avez la parole, madame Parmentier. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, le journal de soir de ce matin nous apprend que le gouvernement a approuvé les principes d'un tarif social de l'eau qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour la lutte contre la précarité hydrique et qui est particulièrement bienvenue étant donné la crise que nous vivons. Cette décision du gouvernement fait aussi honneur à notre Parlement, puisqu'en effet, lors de la législature précédente, notre Parlement avait adopté une résolution concernant l'accès à l'eau pour toutes et tous et la lutte contre la précarité hydrique en région de Bruxelles-Capitale, qui comprenait donc des pistes de méthode de travail et des propositions. Monsieur le ministre, voici mes questions. Pouvez-vous nous expliquer quel a été le processus d'élaboration de cet avant-projet d'ordonnance? De quelle manière ce tarif social de l'eau a-t-il été réfléchi? Et dans quelle mesure les pistes évoquées par la résolution de notre Parlement ont-elles été ou non suivies?
La deuxième question concerne l'octroi automatique d'une intervention annuelle dans la facture d'eau pour les ménages BIM, ce qui est une excellente mesure et qui évitera l'écueil du non-recours au droit qui est trop souvent constaté dans les mesures d'aide sociale. Mais qu'en est-il pour les ménages BIM habitant un immeuble avec un compteur collectif et qui donc n'ont pas de facture individuelle? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Parmentier. Monsieur Marron. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Parmentier. Alors c'est un processus qui a commencé début 2020 avec de premières discussions pour la mise sur pied d'un groupe de travail sur la précarité hydrique, dont la première réunion de coordination a eu lieu le 12 mars 2020. C'est un groupe de travail piloté par les équipes du département eau de Bruxelles Environnement, mais composé de Brugel, Vivacqua, du Centre d'appui et médiation d'aide de la Fédération des services sociaux, de la Fédération des CPS, d'Infor-Gazélec, des juges de paix, du service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, mais aussi de chercheurs de l'ULB. Au total, le GT s'est réuni 11 fois sur différentes thématiques, des réunions qui ont lieu de mars à novembre avec des débats intenses, parfois passionnés, entre les différents acteurs. Un consensus général a été obtenu sur les différentes mesures sociales au mois d'octobre. S'en sont suivies des discussions bilatérales entre le cabinet, Vivacqua et d'autre part les acteurs sociaux, afin d'ajuster le dispositif et d'arbitrer politiquement certains enjeux pour arriver à la version actuelle, celle qui a été approuvée par le gouvernement cette semaine. Les travaux du GT, c'est important de le noter, sont basés sur la résolution du Parlement bruxellois sur la précarité hydrique, qui a été le fondement, le point de départ de cette réflexion. Donc c'est vraiment un travail parlementaire de ce groupe de travail qui a permis les avancées d'aujourd'hui, puisque les différentes mesures sociales qui se trouvent dans le projet d'ordonnance ont trouvé leur source dans la résolution parlementaire. Le plan de paiement raisonnable, l'intervention sociale, le tarif social, la mensualisation, trimestrialisation des factures, une meilleure information des consommateurs, la limitation des coupures. Concernant l'octroi automatique d'une intervention annuelle dans la facture d'eau pour les ménages BIM, c'est donc une excellente mesure qui évitera le non-recours aux droits trop souvent constatés dans les mesures d'aide sociale. Les ménages BIM qui habitent un immeuble avec un compteur collectif seront invités à remplir un formulaire de Vivacqua qui versera l'intervention sociale directement sur le compte des bénéficiaires. Donc logiquement, cette intervention annuelle sera bien valable pour l'ensemble des ménages qu'ils disposent d'un compteur collectif ou d'un compteur individuel. Merci Monsieur Marron. Madame Parmentier. Oui, merci beaucoup pour vos réponses et donc je salue encore une fois le suivi qui a été fait du travail parlementaire. Concernant la réponse pour les BIM habitants, un immeuble avec compteur collectif, donc il sera fort important évidemment de les informer et de sensibiliser, j'imagine que ce sera fait aussi via les services d'aide sociale, afin que cette mesure soit connue et qu'ils puissent donc faire cette demande. Merci beaucoup. Merci Madame Parmentier. Alors, nous passons à présent à la question de Madame Margot Deray, adressée à Monsieur Claire Failly, relative au rapport du Forum économique mondial sur l'incidence de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché de l'emploi. Madame Deray, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le chemin vers l'égalité est encore long, 135 ans à l'échelle mondiale. En effet, selon le rapport du Forum de Davos, le coronavirus nous aura fait perdre une génération dans le chemin vers l'égalité. Une génération, en fait, c'est énorme. C'est comme si l'énergie qu'on fournissait aujourd'hui pour tenter de refermer le fossé de l'égalité s'évaporait sans avoir pu inscrire une once d'évolution. Ça signifie qu'on va devoir redoubler d'efforts. Alors, on l'a déjà dit, mais les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin, ceux en première ligne du coronavirus, épuisées et usées par des mois de crise. Elles ont été aussi en première ligne dans les emplois les moins bien valorisés d'un point de vue salarial, tout ce qui est contrats précaires, temps partiel, et les contrats aussi qui ont été les plus fragilisés par la crise. Je pense par exemple à toutes les employées des commerces de notre région, des employées de l'Horeca, des travailleuses des titres-services, mais aussi si on regarde par exemple le secteur des indépendantes, on se rend compte qu'elles sont surreprésentées dans les secteurs les plus touchés. Enfin, les femmes ont été et sont toujours en première ligne à la maison, et on sait aujourd'hui que le télétravail
aura pour sûr accentué les inégalités dites domestiques. Alors, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux, on doit redoubler notre attention et surtout redoubler notre soutien, sans quoi finalement le travail de toute une génération mobilisée sur ces questions sera vain, ce qui serait vraiment dommageable. Alors, il existe plein d'outils, on en parle souvent en commission emploi. Je pense notamment au fait que des moyens dégagés pour la relance puissent être orientés avec une approche genrée. C'est garantir non seulement que la relance ne va pas davantage creuser les inégalités, mais surtout permettre une accélération pour débroussailler le chemin vers l'égalité. Alors, mes questions sont les suivantes. Avez-vous pris connaissance de ce rapport et particulièrement de la partie qui concerne l'emploi? Les chiffres du chômage que j'ai pu consulter semblent montrer qu'il y a plutôt une augmentation du chômage du côté des hommes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des angles morts dans ces chiffres qui pourraient expliquer ces résultats? Y a-t-il peut-être d'autres données que je ne possède pas, mais que vous avez en votre possession et qui sont intéressantes? Comment pensez-vous amplifier ce qui était prévu par les différents plans et par la DPR pour pallier ces effets négatifs de la crise sur les femmes en matière d'emploi? Et enfin, est-ce que le gouvernement a prévu d'orienter certains budgets spécifiques sur la relance, sur des matières d'égalité? Je vous remercie. Merci, Madame de Ré. Monsieur Clerfaillie. Merci, Madame de Ré, pour votre question. Alors, je vais être très clair et honnête avec vous. Non, je n'ai pas encore lu le rapport de Davos. D'abord, parce que les rapports de Davos ne sont pas ma première source d'inspiration, mais si vous y faites référence, peut-être que je vais le regarder. Deuxièmement, parce que le rapport est sorti le 31 mars et qu'il contient 405 pages, donc je ne l'ai pas encore consulté, ni mes équipes d'ailleurs. Je pense que vous ne l'avez pas lu non plus. Vous avez lu, comme moi, sans doute, les communiqués de presse qui sont sortis sur quelques titres, et notamment le sentiment ou les mesures que l'égalité homme-femme aurait reculé, principalement en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui est une question évidemment importante. Et heureusement, la Belgique et Bruxelles se situent bien mieux que les tendances mondiales sur cette question-là. Comme vous le dites dans votre question aussi, il est difficile de mesurer l'impact de la crise Covid sur l'égalité d'accès des hommes et des femmes à l'emploi en région bruxelloise. Et les chiffres à Bruxelles semblent plutôt démontrer que le nombre de chercheurs d'emploi masculins a plus augmenté, plus 3% en un an, alors que le nombre de chercheurs d'emploi féminins, plus 1% seulement. Donc on n'est pas certain de l'impact net de la crise, même s'il y a des effets sectoriels différents, particuliers, mais je n'ai pas d'informations à ce point précis, surtout que les mesures de rétention de l'emploi du fédéral à travers le droit passerelle et le chômage temporaire ne nous permettent pas de voir exactement ce qu'il en est maintenant. Maintenant, quant à l'avenir, plan de relance, d'autres mesures, s'il n'y a pas de ligne spécifique sur cette question d'égalité des genres, je peux vous confirmer, et vous le savez, que toutes les politiques que nous mettons en œuvre en région bruxelloise visent à lutter contre la discrimination, notamment à l'embauche, et en particulier veillent à assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, que ce soit tous les budgets consacrés via Actiris, via la relance de l'emploi, via la formation professionnelle, vous le savez. Et pour terminer, je dirais que, comme je sais que vous présidez avec talent et passion la commission pour l'égalité des femmes et des hommes au sein de ce Parlement, je ne manquerai jamais d'écouter les recommandations que vous nous proposerez, suggérerez, et nous y travaillerons ensemble pour aller vers ce monde meilleur de l'égalité. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Clerfaillie, Madame de Ré, pour une courte réaction. Merci à Monsieur le ministre pour vos informations. Je pense qu'en effet, on manque souvent de chiffres, hein, parce que j'ai cherché en fait dans les angles morts, peut-être du côté des demandeuses d'aide au CPAS ou sur des questions de temps partiel. C'est pas toujours évident de cerner. C'est vraiment quelque chose qui est très tentaculaire. J'ai quand même consulté la partie sur la Belgique qui ne fait pas autant de pages que le rapport complet. Et il y a quelques éléments importants, notamment qui pointent l'importance du plafond de verre, aussi sur les questions de secteurs qui sont, vous le savez, importeurs. Vous êtes aussi ministre du numérique et on en parle souvent. Et donc, tout cela sont des choses qui sont intéressantes. Et je note bien votre invitation à nous y pencher en commission égalité encore plus fort qu'auparavant. Et je vous remercie pour tous vos éléments. Merci, Madame de Ré. Alors, nu, Tite Beurtan, meneer Dominique Lotenstal, voor zijn vraag aan de heer Sven Gats, betreffende controle op de rechtmatigheid en efficiënte van de uitgekeerde subsidie in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Meneer Lotens, u hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, het schandaal rond Open VLD-politica Siam Kouakibi in Antwerpen met tentakels ook in Brussel via de gulle subsidiëring van voormalig binnenlandminister Jan Bon heeft ons er weer doen aan herinneren, nog maar eens, dat subsidiepolitiek dikwijls ontaart in graaipolitiek en graaicultuur.
Jammer genoeg. Wij hebben in Brussel ook een traditie al decennia lang van rijkelijk het rondstrooien van subsidies aan allerhande organisaties. Dikwijls heel nuttig en noodzakelijk. Maar soms ook zijn dat schimmige verenigingen, duistere VZW's, die middelen krijgen en die op die manier middelen die aan de transparantie worden onttrokken. Daarom lijkt het me nuttig, ik moet niet herinneren aan de affaire rond Samu Sociaal, het lijkt me nuttig dat er op tijd en stond als een goede huisvader een audit komt, een controle komt om erop toe te zien of die middelen wel terechtkomen daar waar ze moeten terechtkomen, dat die middelen wel bij de juiste personen terechtkomen en ook nog efficiënt en nuttig worden ingezet in plaats van aan de vingers te blijven plakken van politici of in de zakken te blijven zitten van bestuurders van VZW's allerhande. Dus ik had graag weten wat de regering gaat doen om een betere transparantie te bewerkstelligen, of er extra controlemechanismen zullen komen, of er een meting komt in zaken efficiëntie van de middelen die worden ter beschikking gesteld. Met andere woorden, een onderzoek naar zin en onzin van allerhande subsidies. En tot slot, misschien moet er eens een algehele audit komen van alle subsidies van A tot Z en ook een doorlichting aan het parlement bezorgen. Dank u, meneer Lotens. Juste une petite chose, monsieur Lotens. Vous avez dans votre question fait référence au nom d'une députée qui n'est pas membre de notre assemblée. Elle a été citée, donc je vous signale qu'elle sera, ce que vous avez dit à ce propos va être biffé de notre compte-rendu. On vous avait d'ailleurs informé au moment où vous avez déposé votre question. Neriat, staat in alle, media. Staat in alle media. Ok. Dank u wel, voorzitter. Het dossier waarvan sprake roept begrijpelijk een aantal vragen op, maar u stelt mij inderdaad een algemene vraag en ik wil toch u op het hart drukken dat het wel degelijk zo is dat elk subsidiedossier moet aangewend worden voor de doelstellingen beschreven in de subsidieovereenkomst en volgens de modaliteiten opgenomen in het besluit en in de overeenkomst. Er is wel degelijk een regelgevend kader, of het nu gaat om facultatieve of gereglementeerde subsidies. En de controle, want daar gaat het zwaartepunt van uw vraag over, de administratieve controle van subsidies en ook overheidsopdrachten is geregeld in de Algemene Bepalingenwet van 16 mei 2003 voor de gewesten en specifiek voor het hoofdstedelijk gewest de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houden de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, boekhouding en de controle en beheer en begroting en controle. Uiteraard zijn er nog verschillende uitvoeringsbesluiten die hieruit voortvloeien. De toetsingen gebeuren ex ante en ex post. Dat is de situatie zoals ze vandaag is. En ik wil u even beschrijven hoe zo'n subsidieflow gaat. Er zijn wel degelijk drie momenten waarbij in de normale controle er een toetsing is. Het is de administratieve controle vooraf en achteraf bij de betaling. In bepaalde gevallen kan de administratie, ook aan de inspectie van Financiën, bijkomende adviezen vragen over punctuele dossiers. Een derde element, naast dus administratieve controle, inspectie Financiën, is er uiteraard ook nog altijd een controle wanneer de betalingen effectief gebeuren. Daarnaast zijn er drie controles die gebeuren op basis van stalen en op basis van steekproeven. Dat is ten eerste door de gewestelijke administratie, de GOB zelf, die een dienst heeft die dit doet. Ten tweede is er een directie-interne audit die dit ook geregeld doet. En ten derde is er het rekenhof, dat u natuurlijk even goed kent als ik, dat ook steekproefsgewijs bepaalde controles doet. Dus er zijn wel verschillende lagen in de controle op dit ogenblik. En er zijn trouwens ook regels met betrekking tot de bedragen afgesproken wanneer er inspectie van financiën en advies nodig is, wanneer de minister van Begroting zijn akkoord moet geven, wanneer een bepaald dossier ook op de regering moet besproken worden. Dat is allemaal in detail geregeld. Het is nu zo dat ik met mijn administratie begonnen ben om subsidiestromen in het algemeen in kaart te brengen. Het gaat dan over de organieke, de gereglementeerde en de facultatieve subsidies, omdat we willen kijken hoe de doelmatigheid van subsidies zit en waar efficiënter kan worden gewerkt.
En ook collega Claire Fayet is vanuit zijn bevoegdheid administratieve vereenvoudiging aan het werken aan een kadaster van subsidies. Dus we zullen daar zeker nog voortgang in boeken. Dit gezegd zijnde, meneer de voorzitter, meneer Lotus, wil ik toch wel zeggen, de bestaande controlemechanismen werken in het overgrote deel van de gevallen zeer goed. En ik zou er mij toch voor hoeden het kind met het badwater weg te gooien. Dank u, meneer Gats. Meneer Lotens, voor een korte reactie misschien? Ja, ik dank de minister voor zijn antwoord. En ja, uiteraard bestaan er controlemechanismen. Het zou heel jammer zijn mocht dat niet het geval zijn. Maar het betrokken geval en eerdere gevallen die we trouwens ook in ons Brussel of stedelijk gewest hebben gekend, hebben aangetoond dat de controlemechanismen soms nog onvoldoende zijn of dat sommigen sluw genoeg zijn om eraan te ontsnappen. Vandaar mijn herhaalde oproep om een algehele audit te doen. Niet alleen naar de aanwending en de manier waarop de middelen worden aangewend, maar ook naar de efficiëntie toe. Hè. Is het nuttig en zinvol waar we bezig zijn? Kunnen we de middelen niet op een andere manier inzetten in plaats van ze uit te delen aan allerhande organisaties? En misschien nuttiger en efficiënter. Zo weet ik bijvoorbeeld dat wij organisaties subsidiëren in Brussel die eigenlijk volgens de fiscus onder de vennootschapsbelasting vallen, die dus eigenlijk vennootschappen zijn en die krijgen middelen van de subsidiërende overheid. Dat lijkt me allemaal hoogst ongepast, dus het zou nuttig zijn dat er eens een algehele audit wordt gemaakt van al die geldstromen en dat die audit ook aan het parlement wordt overgemaakt. Ik denk dat er geen enkel excuus kan zijn om niet als een goede huisvader ervoor te zorgen dat de middelen van de belastingbetaler nuttig en efficiënt worden ingezet en transparant worden gebruikt. Dank u, meneer Lotens. L'incident est clos. Je vais suspendre la séance du Parlement régional bruxellois, ouvrir la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire et donc à notre du jour. Nous avons également une séance de questions d'actualité. Nous allons démarrer par la question de Madame Chabert pour sa question adressée à Madame Vandenbrand et Monsieur Marron relative à la récente étude de l'Observatoire de la santé et du social sur le surendettement en région de Bruxelles-Capitale. Madame Chabert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. On est tous conscients qu'on est au début d'une crise sociale et d'une crise économique très grave. La précarité et le surendettement se sont amplifiés, encore plus dans notre région que dans les autres, où je rappelle, à Bruxelles, une famille sur trois vit sous le risque de pauvreté. Et parmi ces familles, et notamment les familles monoparentales, une sur deux est concernée par la grande précarité. Alors cette semaine, plusieurs articles de presse ont relayé cette étude de l'Observatoire de la santé et du social sur le surendettement. Il en ressort que la proportion de personnes qui empruntent et surtout qui ont des difficultés à rembourser leurs emprunts est plus élevée à Bruxelles que dans les autres régions. On voit aussi très rapidement que le surendettement coïncide souvent avec la pauvreté, qu'il touche des personnes qui sont souvent peu scolarisées, souvent des personnes sans emploi ou qui vivent dans un logement social. Et enfin, on voit aussi qu'un quart des personnes qui fréquentent les services de médiation de dette sont composées de familles monoparentales et donc essentiellement des femmes seules avec enfants qui ont grande difficulté financière. Alors, pour contrer cette spirale infernale, parce que c'est ça, le surendettement, l'Observatoire nous dit qu'il faut évidemment améliorer les conditions de vie de ces personnes, mais surtout qu'il faut renforcer d'un côté les démarches de prévention et d'information au public sur la question du surendettement et des services de médiation, mais aussi ils nous disent qu'il faut donner plus de force et de poids, de ressources en fait, à ces services de médiation de dette, et puis qu'il faut un vrai traitement aussi des données statistiques, notamment au travers de ces services de médiation, parce qu'on ne connaît pas bien et ne comprend pas encore assez la nature de ce phénomène du surendettement. Donc j'en arrive à mes questions, Monsieur le Ministre. Qu'est-il prévu pour généraliser la récolte de données statistiques sur le surendettement et lever les obstacles à cet encodage, puisqu'apparemment il y en a? Comment comptez-vous améliorer la prévention au surendettement et par quelles mesures vous comptez informer les personnes sur notamment l'existence des services de médiation? Je souhaiterais savoir aussi ce qui est prévu pour renforcer ces services de médiation de dette qui en ont vraiment besoin.
Je voulais savoir si une analyse ciblée par commune et par quartier est à l'ordre du jour et s'il existe des mesures ciblées à Bruxelles. D'accord. Et enfin, allez-vous porter une attention particulière aux familles monoparentales surendettées? Elles ont publié en mars un véritable appel au secours par rapport au surendettement qui les noie. Et donc, je voulais savoir ce que vous comptez faire pour ces personnes. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, pour vos réponses. Madame Chabert. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, merci Madame Chabert pour vos questions. Alors, l'étude a été réalisée chez 4 services de médiation de dette. Actuellement, une réflexion est lancée afin d'avoir un seul et unique logiciel de médiation de dette sur toute la région de Bruxelles-Capitale pour les services de médiation de dette COCOM, COCOF et les CPS. L'objectif, c'est d'avoir une vue d'ensemble du phénomène sur la région en prenant en compte les contraintes techniques et de fonctionnement. Quant aux mesures préventives en matière d'information sur endettement, il y a eu des réalisations de vidéos qui fournissent des informations pour les personnes en difficulté financière qui seront diffusées à partir du mois de mai auprès des différents acteurs concernés, dont les services de médiation de dette, les associations dans les communes, etc. Une sensibilisation et formation de différents publics, personnes surendettées, jeunes primo-arrivants, sur le crédit facile notamment. Un webinaire à destination des travailleurs sociaux de première et de deuxième ligne de la région sur les outils à leur disposition au niveau de la médiation de dette. Pour faire face à l'augmentation des demandes, des mesures sont prises pour renforcer les services de médiation de dette. Il y a une augmentation de 30% des moyens, vous le savez, 643 000 euros supplémentaires pour les services de médiation de dette. Au total, c'est 2,7 millions qui sont investis en COCOM, COCOF et CPS pour faire face à la demande croissante des personnes en besoin, conséquence de la crise Covid-19. Le développement d'un logiciel régional permettra de disposer de statistiques précises pour mener des mesures et des actions ciblées selon les communes et les quartiers. Cependant, pour l'instant, des mesures existent. La principale, c'est le soutien des services de médiation de dette en général, vu que l'étude confirme que le niveau de surendettement est lié au niveau de pauvreté sur le territoire. Ces services peuvent agir sur l'ensemble du territoire régional. Des mesures ciblées sont mises en place dans les écoles et via différents partenaires associatifs, spécifiquement contre le crédit facile et autres. Voilà en gros ce que je pouvais vous répondre dans le cas d'une question d'actualité, mais je reviens vers vous bien volontiers en commission. Merci Monsieur Marron. Madame Chabert, pour une courte réplique. Oui, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Moi, je suis très satisfaite d'entendre qu'il y a un logiciel commun, COCOF-COCOM, qui va permettre un peu d'avoir une vue plus claire sur ce phénomène-là, parce que mal connu, alors les réponses ne sont pas forcément adaptées ou adéquates. Je connais un peu vaguement, enfin j'ai entendu qu'il y avait des campagnes de sensibilisation d'information, je pense qu'il faudra aller plus loin, mais alors par contre, mais donc j'y reviendrai en commission, c'est vrai que c'est très très court ce format, sur la question des familles monoparentales, c'est un vrai appel de situation de détresse totale, elles sont en faillite, comme nos entreprises sont en faillite, ces familles sont en faillite, donc je pense qu'il est important, urgent d'avoir des réponses ciblées, adaptées pour ces familles en très très grande précarité. C'est la question de la reproduction des inégalités sociales qui est en jeu. Ces familles pauvres, ce sont des enfants dans des grandes difficultés qui eux-mêmes pourraient être condamnés dans une situation de pauvreté une fois adultes. Et c'est là-dessus qu'il faut agir assez vite et de manière assez urgente. Je vous remercie. Merci, Madame Chabert. Alors, nous passons à présent à 3 questions sur le même objet. La première de Madame Françoise De Smet, adressée à Monsieur Marron et Madame Van den Brand, relative à la stratégie bruxelloise de vaccination contre le Covid-19 au regard de récentes déclarations de l'OMS. De vraag van meneer Verstraten toegevoegd aan die van mevrouw De Smet betreffende de bepaling van het aantal tijdlots voor vaccinatie tegen Covid-19 en de vraag van mevrouw Bianca De Baats ook toegevoegd aan die van mevrouw De Smet betreffende aangekondigde oprichting van het Brusselse registrieplatform voor COVID-19 vaccinatie. Madame De Smet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, on lisait dans la presse aujourd'hui que le directeur européen de l'OMS estimait que les campagnes de vaccination en Europe étaient d'une lenteur inacceptable, qui pose le constat que le continent connaît une hausse quasi généralisée des contaminations et que les principaux pays qui sont épargnés sont ceux qui sont le plus avancés dans leur campagne de vaccination. Alors en Belgique, on ne fait pas exception, on est entré dans une troisième vague, toujours avec la même crainte de saturation des hôpitaux
qu'il y a un an et la vaccination a accumulé des contretemps. Donc on est dans des difficultés juridiques, on est dans des soucis techniques et qui sont bien évidemment aggravés par la lenteur des livraisons des vaccins par les entreprises pharmaceutiques. Alors, malgré tous ces obstacles, l'objectif du gouvernement doit bien évidemment être de vacciner le plus rapidement possible et le plus largement possible, comme le souligne l'OMS. Mais pour y arriver, le plan de la région n'est pourtant toujours pas clair, tant sur l'objectif à atteindre que sur le timing et le rythme nécessaire pour y parvenir. Donc j'ai une série de questions. Quel objectif en termes de pourcentage de la population vaccinée a été retenu par le gouvernement et avec quelle date en ligne de mire? Pour atteindre ces objectifs, quel rythme de vaccination hebdomadaire avez-vous prévu? Est-ce que vous pourriez nous fournir un plan des livraisons et des injections par centre au cours du temps? Et en entendant les critiques qui ont été émises par le directeur européen de l'OMS aujourd'hui, est-ce que vous avez prévu une modification au plan, si vous en avez un, que vous avez actuellement? Je vous remercie. Je sais, het is nu de beurt aan meneer Verstraeten. U hebt het woord, meneer Verstraeten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, geachte collegelid, de afgelopen weken in feite al zegt u ons dat de reden waarom er minder Brusselaars gevaccineerd zijn, procentueel gezien, dan Vlamingen of Walen, dat komt omdat u verplicht bent geweest in de ziekenhuizen en de rusthuizen om heel veel Vlamingen en Walen te vaccineren. Die daar werken in die collectiviteiten. Maar hoe meer informatie wij krijgen en lezen, hoe meer duidelijk wordt dat u eigenlijk niet alleen daartoe bent verplicht geweest, maar ook een beetje noodgedwongen daar zelf voor gekozen hebt binnen de Brusselse vaccinatiestrategie, omdat eigenlijk de vaccinatiestrategie ten aanzien van de brede Brusselse bevolking schijnbaar niet werkt, wat betreft het registreren, een slotje bemachtigen in een vaccinatiecentrum om zich te laten vaccineren. En dat u dus noodgedwongen een heel aantal mensen die u nog niet prioritair moest vaccineren, wel gevaccineerd hebt. Ik heb het dan over politiemensen bijvoorbeeld, over brandweerlui. Maar niet alleen Brusselse politiemensen en brandweerlui, nu is zelfs gebleken dat Vlaams-Brabantse brandweermensen uitgenodigd zijn om zich te laten vaccineren op de Heizel. Ondertussen bereiken mij vele berichten van mensen die zeggen dat ze het extreem moeilijk hebben om via het online platform zich te registreren om zich te laten vaccineren. Dat ze dus een uitnodiging ontvangen hebben, dat ze welkom zijn om zich te laten vaccineren. En wij zitten al aan een veel lagere leeftijdscategorie op dat vlak in Brussel dan in Vlaanderen. Mensen van 67 jaar oud bijvoorbeeld worden al uitgenodigd om zich te laten vaccineren in Brussel. Daar waar dat men veel meer nog eigenlijk trapsgewijs, bijvoorbeeld in Vlaanderen, aan hogere leeftijdscategorieën bezig is. Dat moet dus betekenen dat wij oftewel al te snel te veel mensen hebben uitgenodigd en dat die nu moeite hebben om een plaatsje te krijgen. Of dat het is dat uw systeem zo slecht werkt dat mensen die uitgenodigd worden zich niet laten vaccineren of zich niet registreren. En dat u dus eigenlijk een steeds grotere massa mensen moet uitnodigen om ervoor te zorgen dat uw vaccins wegraken. Dus daar zit een probleem. Ik zou van u willen horen hoeveel mensen zijn al uitgenodigd en welk percentage daarvan zijn al opgedaagd. Hoe worden de vaccinatieslots opengezet in uw reservatiesysteem? Hoe komt u daaraan tegemoet? Want ik hoor dan wel van mensen, als men het callcenter contacteert, dat het wel lukt om een plaatsje te reserveren, maar online dus totaal niet. Daar zit iets dat niet klopt, daar zit een fout in uw strategie. En ik zou willen dat u mij uitlegt hoe dat komt. Dank u, meneer Verstraeten. Mevrouw De Baet? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, eerder deze week raakte bekend dat Doctena, dat dan met heel wat huisartsen, tandartsen en ook andere zorgverleners samenwerkt, de opdracht omtrent de oprichting van dat Brussels inschrijvingsplatform binnenhaalde. En midden april zou het dan voor Brusselaars mogelijk moeten zijn om via dat nieuw online platform een afspraak te maken. Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel. Bevestigt u dat het nieuwe inschrijvingsplatform wel degelijk tegen midden april, want dat is maar een week meer eigenlijk, klaar, operationeel zal zijn?
Zal dat gebaseerd zijn op bestaande platformen van Doctena? Of wordt hiervoor een volledig nieuw platform opgericht? Wat denk ik een huzaren werk is op een week tijd? Welke kostprijs brengt dat met zich mee voor het gewest? Twee, op welke manier wordt de overgang van het ene platform naar het andere geregeld? Zullen zij nog een tijdje naast elkaar bestaan? Of garandeert u dat dat werkelijk vlekkeloos zal verlopen, die overgang? En ten derde en als laatste vraag, kan u ook toelichten hoe de informatieuitwisseling tussen beide platformen ook juridisch verankerd wordt? Is dat aspect al helemaal in orde gebracht? Zo niet, welke stappen moeten er nog in orde gebracht worden om te garanderen dus dat het beoogde ingebruikname op tijd zal kunnen starten? Dank u. Dank u, mevrouw De Baat. Monsieur le ministre. Dank u, meneer de voorzitter. En dank u voor uw vraag. Betreffende het nieuwe reserveringsplatform. Een eerste light versie van het nieuwe reserveringsplatform zal op 12 april worden getest, zodat het in de dagen daarna in gebruik kan worden genomen. De financiële kosten voor het gewest zullen beperkt zijn. We hebben een akkoord bereikt waarin is bepaald dat Brussel zal betalen voor zijn nieuwe reserveringstool met Doctena en voor Doppler voor wat de uitnodigingen betreft, maar wij zullen niet betalen voor nieuwe reserveringsfunctionaliteiten in de Doppler-tool. En Brussel doet ook niet mee aan de nieuwe interfederale tool die voor wachtlijsten is goedgekeurd. Concernant la transition entre Doppler et Doctena, ça fait partie des points d'attention concernant le lancement du nouvel outil. Et notre vision est que Doppler doit rediriger directement vers le système Doctena. On y travaille et les discussions sont en cours. Concernant l'échange d'informations entre les plateformes, ce sera limité puisque Doctena n'est qu'un outil de réservation sur invitation ou libre. Et l'objectif est de demander le moins de données possible via Doctena afin de faciliter la prise de rendez-vous pour tous les types de publics et dans le meilleur délai. What the slots and the wachtlijsten betreft, wij openen slots naar gelang van het aantal vaccins dat die week voor het centrum beschikbaar is. Afhankelijk van de no-shows en de restdoses heeft het centrum ook de mogelijkheid om aan het einde van de week andere slots te openen. Momenteel zijn wij de 65-plussers aan het uitnodigen. Elke dag maken we vorderingen van die leeftijdscategorie om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen. Toutes les personnes de plus de 69 ans qui résident à Bruxelles peuvent aussi appeler le call center vaccination pour prendre rendez-vous, et même si elles n'ont pas reçu d'invitation ou qu'elles ont perdu leur invitation. D'ici la semaine prochaine, on ouvrira cette possibilité aux tranches d'âge inférieures. Les médecins coordinateurs des centres de vaccination peuvent également inscrire des patients porteurs de maladies chroniques dans ces plages horaires libres sur proposition des médecins généralistes de la zone. Concernant les autres secteurs prioritaires, conformément à la stratégie de vaccination interfédérale, on a ouvert la vaccination aux zones de police ainsi qu'aux pompiers. La consigne a été de proposer qu'aux personnes exerçant à Bruxelles. Néanmoins, il est possible que du personnel non résident se soit fait vacciner, bien entendu, mais exerçant bien à Bruxelles. On estime qu'il y a plus ou moins 17 000 personnes non résidents bruxellois vaccinées dans les centres de vaccination. Il y en a évidemment bien plus dans les hôpitaux et dans les collectivités. On est en discussion avec les autres régions et avec le fédéral pour récupérer ce quota. Concernant le rythme de vaccination, Bruxelles a reçu ce jour 228 440 doses, 168 000 ont été livrées aux structures et 59 770 aux centres de vaccination. À la date du 30 mars, les 9 centres de vaccination ont ouvert environ 5 600 slots. On avait 5 500 de réservés et avaient administré environ 5 200 injections. Au total, du 31 du 3, donc il y a deux jours, il y a trois jours même, le nombre de vaccins administrés à Bruxelles était de 177 910, 134 602 premières doses, 43 308 deuxième doses. Au vu de la situation épidémiologique actuelle, on aimerait accélérer bien entendu la vaccination des personnes les plus vulnérables en termes de santé par leur âge ou par le facteur de comorbidité.
L'avis des différentes instances, Conseil supérieur de la santé, expérience des autres pays et récemment du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, combiné à l'évolution de l'épidémie et de la disponibilité des vaccins, nous pousse à recentrer au plus vite et au plus fort les vaccins disponibles vers les personnes à risque, c'est donc les personnes les plus âgées et les plus avec des facteurs de comorbidité. Merci beaucoup, Monsieur Marron. Voilà, alors je recède la parole un bref instant à Madame De Smet pour une réaction que j'imagine courte. Merci, Monsieur le Ministre. Mais avec tout ça, vous n'avez toujours pas répondu à ma question du timing et du pourcentage de population vaccinée. Parce que, bon, on avait entendu, voilà, la Flandre veut en juillet arriver à 70%. Je pense que Ingeneven avait déclaré dans la presse « Bruxelles va faire la même chose ». Mais je n'ai jamais entendu de votre part un peu une deadline claire et un pourcentage de population auquel on voudrait arriver. Donc voilà, je voudrais quand même que vous répondiez à cette question. Et après, sur les livraisons, je voudrais quand même encore revenir sur l'aspect important de pouvoir produire plus de vaccins, parce qu'on voit qu'on est quand même en train de jouer avec nos pieds pour le moment, et toute la question de la levée des brevets, et que vos parties sont aussi au fédéral, et que donc il y a quand même moyen d'aller mettre la pression là-bas aussi pour pouvoir accélérer la production. Je vous remercie. Merci, Madame De Smet. Meneer Verstraten, misschien, une courte réaction of... Ja, dus... U hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Marron, u hebt mij eigenlijk opnieuw quasi niet geantwoord. Hè. U hebt mij niet uitgelegd hoe het kan dat heel veel mensen proberen online zich te registreren, dat dat niet lukt, dat de eerste beschikbare slot die ze vinden in 2022 is, of iets dergelijks, dat men dan moet bellen naar het callcenter om een slot te openen. U hebt mij niet uitgelegd hoe het komt dat wij 65-plussers al aan het vaccineren zijn, dat men dat in Vlaanderen nog niet doet, hoe dat juist in zijn werking gaat allemaal, en hoe het komt dat wij zoveel beroepscategorieën gevaccineerd hebben. Ik ga je cijfers citeren, meneer Marron, en ik zou willen dat u mij dat bevestigt, of niet. Ik heb vernomen via dat van de uitgenodigde mensen om zich te laten vaccineren, de mensen die al een uitnodiging hebben gekregen in Vlaanderen, dat ongeveer 85% al gevaccineerd is of zich geregistreerd heeft om zich te laten vaccineren. In Wallonië iets meer dan 50% en dat in Brussel slechts 24% is van de mensen die zich effectief al aangemeld hebben. Kan u mij dat bevestigen? Une petite courte réaction, monsieur le ministre, je ne sais pas. Non. J'ai pas les derniers chiffres, monsieur Verstraten. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous confirmer ça comme ça dans une question d'actualité. Mais il n'y a aucun problème à revenir avec vous sur les derniers chiffres de personnes qui répondent ou ne répondent pas, ou dans quel délai ils le font sur base des invitations. Mais c'est vrai qu'on a moins de personnes qui répondent qu'en Flandre. Ça, c'est une certitude, et je l'ai dit aussi en commission, c'est pour ça qu'on déploie des efforts pour refaire des appels vers les personnes qui ne se sont pas présentées, et aussi essayer de comprendre pourquoi les personnes ne vont pas se faire vacciner, le cas échéant, et essayer de les motiver à le faire. Madame De Smet, en fait, le rythme de vaccination des trois régions est le même. Il n'y a pas d'objectif qui soit différent pour les trois régions du pays. On reçoit, en fait, proportionnellement les mêmes doses de vaccins au même rythme. Et donc, notre rythme de vaccination est le même sur l'ensemble de la Belgique. Moi, je suis prudent par rapport à cela maintenant, parce qu'on l'a vu, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans le rythme auquel nous recevons les vaccins. Et le rythme de vaccination dépend fortement du rythme auquel nous recevons les vaccins. Donc, j'aimerais pouvoir annoncer des bonnes nouvelles de manière sûre et certaine pour le mois de juin. Bien entendu. Voilà. Merci, monsieur Marron. L'incident est clos. Voilà, chers collègues, ceci clôture notre séance de questions d'actualité de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Je vais donc suspendre la séance de la RCC. Juste vous rappeler, chers collègues, que nous allons procéder au vote dans quelques minutes. À 7h, il y a toujours plusieurs collègues, à peu près 7-8, qui sont toujours pas connectés, qui n'ont pas fait le test vote. Donc, je vais suspendre la séance. 3-4 minutes, le temps de laisser le temps aux collègues de donc se reconnecter, le lien, le test vote, et d'ici 4-5 minutes, on votera. Voilà, je suspends la séance.
mais il a suspendu. Ah, c'est suspendu. Il a fait la séance en cocom. Bien, chers collègues, je réouvre la séance du Parlement régional bruxellois. Nous avons à l'ordre du jour plusieurs votes. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mesdames Tettelbaum-Tchekalski visant à permettre le recyclage des métaux et à l'encourager. C'est le document A185-1-2, application de l'article 91.4 du règlement. Nous allons passer au vote sur les conclusions de la commission. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Comme à l'accoutumée, petit rappel, ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui,
puisque les conclusions de la commission proposent le rejet. Début du vote. Nous attendons juste une collègue qui nous rejoint, qui est en train d'arriver. Ça permet. Oh. Regarde bien cette femme. Elle est en train de préparer un plat qui pourrait soulager 6 ans. On rajoute donc le vote de Madame Bertrand comme son groupe. C'est un vote négatif. Moyennant cela. Je vérifie, est-ce que chacun a vérifié son vote? Fin du vote. Alors, 85 membres ont pris part au vote, 51 oui, 16 non, 18 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution de Mme Ostrate, M. Van Gwatsenhoven, Mme Delopkovic concernant le renforcement des services de lutte contre la maltraitance animale. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Même chose, ceux qui sont pour le rejet votent oui, puisque la commission a proposé le rejet. Début du vote. Je recommande aux collègues qui sont à distance de couper leur micro. Oui. Tout à fait. Allez, chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Voilà. Fin du vote. 85 membres ont pris part au vote, 58, 21 non, 14 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter les propositions de résolution. Nous passons à présent au vote nominatif sur les amendements, les considérants et les tirés du dispositif réservé sur l'ensemble de la proposition de résolution de Mme Tchekalski, Tettelbaum, Weitzmann et consorts. Je vais tous les citer puisqu'il y en a de la majorité de l'opposition, de M. Van Gwatsenhoven, de Mme Frémaux, de M. Van den Borre, de Mme Lahanan et de Mme Houssen concernant la végétalisation des bâtiments du parc immobilier régional bruxellois. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote. A-t-il vérifié son vote? Fin du vote. Quatre-vingt-cinq membres ont pris part au vote. Zéro non, zéro abstention. Le document, le texte est donc adopté à l'unanimité, ce qui est très bien. Et le Parlement adopte donc la proposition de résolution. Applaudissements nourris dans l'hémicycle.
L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la communauté flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, la communauté française et la communauté germanophone concernant l'utilisation de Shure. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Non. Il est procédé au vote. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Bon, il y en a deux qui n'ont pas voté, mais je vais... Fin du vote. Quatre membres ont pris part au vote. Un non, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relatif aux déchets du code du 25 mars 99 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs, d'espaces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que les déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement. C'est le document A337-1. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Ja, meneer de voorzitter, ik zou graag tussenkomen. Ja, mevrouw Van Achter. Ik weet niet, ik heb eigenlijk nog een paar opmerkingen bij de amendementen. Is dat nu aan de orde? J'allais dire qu'il. Nous allons d'abord voter sur les amendements. Nous avons donc un amendement numéro 1 qui est déposé par le gouvernement à l'article numéro 1. Et nous avons un amendement numéro 2, numéro 3 et numéro 4 qui sont déposés à l'article 17. Donc nous allons d'abord voter sur l'amendement numéro 1 de l'article 1, d'accord ? Qui est déposé, je le rappelle, par le gouvernement. Donc c'est un amendement du gouvernement qui a été déposé tout à l'heure en séance. Alors nous votons sur l'amendement numéro 1, début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? J'attends encore un petit instant parce que je vois que j'ai Madame Lecoq. Fin de vote. 84 Juste proclamer les résultats et puis ceux qui se sont abstenus expliqueront leur abstention. Alors, 84 membres ont pris part au vote, 82 oui, 0 non, 2 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 1 est adopté. Ceux qui se sont abstenus souhaitent-ils expliquer leur abstention ? Mevrouw Van Achter ? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. U heeft heel goed door dat ik hierop wil tussenkomen. Ik wil nog eens benadrukken dat ik mij onthoud, niet omdat ik akkoord ben met de inhoud van dit amendement, maar omdat ik de manier van werken niet geapprecieerd heb, zowel voor de ordonnantie als vandaag met de amendementen. Ik weet ook niet wat de minister nog aanwezig is in de zaal, want over amendement 2 heb ik nog bijvoorbeeld heel wat vragen. En ja, ik denk niet dat we daar nu nog antwoorden op kunnen krijgen. Dus wat wel ja,
moeilijk maakt om, om te weten wat we juist stemmen. Maar dus ik zal mij onthouden voor al de amendementen en ook voor het geheel. Ik ga me niet herhalen bij elk amendement en bij het geheel, maar deze manier van werken is echt niet aanvaardbaar. Dank u, mevrouw Van Achter. Alors, nous allons à présent voter sur l'amendement numéro 2, qui est également... non, nous votons sur l'article 1 tel que amendé. Voilà. Nous votons donc sur l'article 1 tel qu'amendé. Début du vote. On va pas me l'expliquer, je fais quand même la faute. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Monsieur le Président, c'est Leïla Lassaini. Oui, Madame Lassaini. J'ai eu un problème sur l'application de vote, donc je n'ai pas pu voter, mais je vote pour comme les autres. D'accord. On rajoute donc Madame Lassaini en vote positif. Merci. Alors, 85 membres ont pris part au vote, 83 oui, 0 non, 2 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 2 est adopté. L'article 1er est adopté. Je suis fatigué, excusez-moi. C'est l'article 1er qui est adopté. Alors, nous votons à présent sur l'amendement numéro 2 de l'article 17. Je fais même vote ou bien je fais voter ? On va voter. Début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Madame Bertrand, voilà, c'est fait. Fin de vote. 85 membres ont pris part au vote, 74 oui, 0 non, 11 abstentions. En conséquence, l'amendement numéro 2 est adopté. Est-ce que je peux considérer le même vote pour l'amendement numéro 3 ? Pas d'objection, je vous remercie. Même chose pour l'amendement numéro 4 ? Je vous remercie. Alors, nous allons voter maintenant sur l'article 17 tel qu'amendé. Début du vote. Monsieur le Président, j'ai un problème. Madame Mon vote Nagy. Ne s'enregistre pas. Ça va, on rajoute Madame oui, Nagy en Marie vote Nagy. Positif. Merci. Fin de vote. Membres ont pris part au vote, 74 oui, 0 non, 11 abstentions. En conséquence, l'article 17 est adopté. Nous allons voter maintenant sur l'ensemble du projet. Début du vote. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin de vote. Monsieur le Président. Oui. Je voudrais faire une explication de vote pour l'abstention. Pas de problème, Madame Tettelbaum. Je vais d'abord proclamer les résultats et puis je vous donnerai la parole. 85 membres ont pris part au vote. 73 oui, 0 non, 12 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Madame Tettelbaum, je vous donne oui, la parole merci, pour monsieur... faire connaître les motifs de votre abstention.
Merci, Monsieur le Président, mais je m'abstiens pour déplorer au nom de mon groupe la méthode de transposition quand même assez cavalière d'une directive importante en matière de gestion des déchets plastiques et rappeler notre point d'attention sur la juste rétribution des communes des contributions financières des producteurs aux frais de nettoyage des déchets sauvages et de déterminer ces coûts de nettoyage de manière précise puisque ce sont quand même bien les communes qui supportent la plupart des coûts de nettoyage de ces déchets sauvages. Je vous remercie, Madame Teitelbaum. Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant approbation de la délibération budgétaire numéro 1 du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, autorisant l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses à imputer au budget général des dépenses de la région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021. Document A346-1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il est procédé au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il voté ? Fin du vote. 85 membres ont pris part au vote, 61 oui, 0 non, 24 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Oui, Madame Bertrand, vous avez la parole. Oui, j'aimerais justifier l'abstention de notre groupe. Alors, comme nous l'avons fait dans votre commission Finances et Affaires Générales, bien entendu que nous soutenons le fait que des moyens supplémentaires soient dégagés pour les indépendants, pour des primes, pour les secteurs en difficulté, mais nous regrettons que ces moyens soient dégagés aussi tardivement, qu'il n'y ait aujourd'hui toujours pas de perspective budgétaire claire, alors que nous sommes un an après, qu'il y ait un manque de proactivité du gouvernement bruxellois en la matière et que les politiques qui seront financées par cette modification budgétaire ne sont à ce stade toujours pas claires. Je vous remercie. La séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est close. Je réouvre la séance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la communauté française, la communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre le Covid-19. C'est le document B65-1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Y a-t-il des demandes d'explication du vote ? Monsieur le Président. À qui ai-je l'honneur ? À Céline, Monsieur le Président. Oui, Céline. Je vais juste justifier l'abstention du groupe CDA. Je l'ai fait à de nombreuses reprises en COCOF, en commission, en COCOF, en plénière, en COCOM, en commission. Répéter que pour nous, au CDA, il est évident que la vaccination, c'est la seule manière de sortir de la crise sanitaire et économique qu'on traverse, qu'il faut l'intensifier de façon massive pour y parvenir rapidement, avoir des outils adéquats, préserver évidemment les droits des citoyens. En décembre dernier, nous avons formulé au niveau du CDH toute une série de remarques sur la nécessité d'enregistrer les données de vaccination, des critiques aussi sur le texte. L'accord, c'est vrai, a été modifié après les avis du Conseil d'État et de l'autorité des protections des données. Mais nous considérons qu'il demeure un certain nombre de problèmes que j'ai pour ma part relevés dans les différentes commissions, au niveau de la vaccination. Vous connaissez les critères et les demandes du CDH. Sur le point, la question de l'anonymisation et de la pseudonymisation reste compliquée pour nous. Et puis, j'ai eu l'occasion de le répéter encore et encore par rapport à la question de la participation des mutualités et l'articulation des médecins généralistes. Je sais qu'ils sont cités dans l'accord, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en première ligne comme ils pourraient l'être pour que cette vaccination soit la plus efficace
possible, que par ailleurs, les données des mutuelles s'arrêtent au 30 juin 2020 au niveau des cohortes, et que donc il n'y a pas encore assez de communication qui est faite pour toute une série de cas de comorbidité postérieure au 30 juin 2020, quant à la question aussi du handicap et de la trisomie 21. J'ai répété aussi mes réserves sur le fait que les personnes n'étaient pas correctement informées si elles ne relevaient pas directement par rapport à des soins des mutuelles. Je vous remercie. Merci, Madame Frémaux. Tot stemming wordt overgegaan. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Chacun a-t-il vérifié son vote? Je vois deux collègues qui sont présents qui encore, dont le vote n'est pas encore enregistré. Madame Genot, Madame Bala, voilà. Madame Bala. Fin du vote. 84 membres ont pris part au vote, 68 ja. Nul nee en 16 onthouding. Bij gevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd College worden voorgelegd. Monsieur le Président. Oui. Est-ce que je peux justifier l'abstention de mon groupe aussi, s'il vous plaît? J'étais en train de regarder l'écran et j'oubliais que c'était dans l'hémicycle que quelqu'un s'adressait à moi. Vous avez la parole, Madame de Smet. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien entendu, pour arriver à une bonne vaccination rapide, il faut un bon échange de données, ça c'est clair. Mais les citoyens ont aussi droit à la transparence et il incombe donc au gouvernement de garantir aux citoyens l'utilisation correcte des données. Et donc, on a des inquiétudes par rapport à l'accord de coopération qui ne définit en effet pas avec suffisamment de précision la finalité de la collecte des données et ne délimite pas assez clairement qui aura accès à quelles données. Donc, dans ce sens, pour nous, il faut plus de clarté et il ne faudrait pas, par exemple, que les données soient à disposition d'entreprises privées ou de compagnies d'assurance qui pourraient s'en emparer en invoquant l'intérêt public. Et comme vous le savez, les données pseudonymisées sont réversibles et ne sont donc pas complètement anonymes. Donc, pour nous, il faudrait une définition plus précise de qui a accès à quelles données et pas seulement les dispositions générales dans la loi. On a aussi cette discussion qui arrive tard, alors qu'on sait déjà depuis juillet dernier qu'il y a des recommandations qui ont été émises sur les personnes à vacciner en priorité. Donc il a fallu attendre mars 2021 pour commencer ces discussions, ce qui empêche en fait du coup d'entreprendre un travail approfondi pour que la présente proposition soit étoffée afin d'éviter toute utilisation abusive des données. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est abstenu. Merci, Madame de Smet. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la région wallonne, la communauté germanophone et la commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoire des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou un test de dépistage obligatoire à leur arrivée en Belgique. C'est le document B66.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance et je donnerai la parole après le vote à tous ceux qui s'abstiennent, puisqu'il y en a déjà l'un ou l'autre qui m'a communiqué le souhait d'expliquer son vote. Nous allons passer au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote? Il est procédé au vote, début du vote. Tout le monde a-t-il voté? Je crois que oui, par M. Compagnie. Voilà. Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote.
85 membres ont pris part au vote, 68 oui, 0 non, 17 abstentions. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du collège réuni. Je cède à présent la parole à ceux qui souhaitent intervenir pour expliquer leur abstention. Monsieur De Wolf. Oui, monsieur le président, je vous avais prévenu, merci beaucoup. Tandis pour 2 minutes, ce sera un peu technique. Donc, mon groupe a soutenu, et fondamentalement, je le fais aussi, bien sûr, l'accord de coopération. Par contre, je me suis abstenu dans la mesure où un Codeco antérieur avait formellement souhaité une transmission rapide des informations aux autorités locales pour garantir le respect des mesures de quarantaine et de testing, ce que la région bruxelloise a toujours refusé. L'accord de coopération pose donc pour la première fois les balises d'une collaboration qui se veut constructive et nécessaire entre les entités fédérées et les pouvoirs locaux afin que l'on puisse assurer le respect des mesures précitées et malheureusement sanctionner aussi lorsque ça s'avère nécessaire les personnes réfractaires. Bien sûr, c'est un accord de coopération, il faut encore que toutes les parties signataires le souhaitent. Or, les déclarations du ministre Marron en commission de la santé ce mercredi dernier et aujourd'hui en séance plénière démontrent clairement son refus obstiné de s'inscrire dans une collaboration harmonieuse avec les autorités locales et ce en violation de l'esprit et de l'objet de l'accord de coopération qui prévoit « Le présent accord de coopération vise à pouvoir transmettre les données nécessaires aux entités fédérées et aux autorités locales et services de police afin de pouvoir assurer le suivi de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs. Il est donc inacceptable de lire dans le compte-rendu de la commission que le ministre n'accorde pas sa confiance au bourgmestre en déclarant publiquement, et j'en termine, cette transmission de données ne pourra intervenir qu'en cas de soupçon de non-respect. Les communes n'y auront pas accès directement. Les communes n'y auront pas accès directement. Et l'orateur, dit-il, assume ce choix politique. Il ne veut pas qu'il y ait en région bruxelloise 19 politiques différentes de suivi des mesures de quarantaine. Si le ministre assume ce choix politique, je souhaiterais aussi que soit acté au PV de notre séance que, vu sa réponse, le ministre devra aussi endosser la responsabilité civile et pénale de ce choix en empêchant les bourgmestres, contrairement à la loi, d'agir. J'ai dit, monsieur le président. Merci, monsieur De Wolf. Voilà, ceci clôture notre séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire. Oui, madame Frémont. Je voulais juste justifier l'abstention du CDS. Désolé. C'est moi de prolonger. Vous avez la parole. Je vais juste, si vous me permettez, expliquer l'abstention du CDH. Pour nous, il est évident que les respects des quarantaines, du dépistage et du testing obligatoire sont nécessaires si on veut enrayer la pandémie et recouvrer notre liberté de circuler à l'étranger. J'ai souligné toute une série de difficultés, la procédure et le timing d'adoption de l'accord de coopération, toute une série de manques d'anticipation. Sur le contenu en tant que tel, il y a des grandes questions qui demeurent sur les délais de conservation et les conditions auxquelles les données peuvent être transmises par les autorités fédérées aux autorités locales et de police. Ça a été débattu en commission sur le rôle du comité de sécurité de l'information et sur les adoptions de PLF identiques au PLF fédéral que le Conseil d'État considère comme un excès de compétence. Donc il y a des questions juridiques. Il y a pour nous un manque de précision d'objectifs et un problème de respect du principe de proportionnalité par rapport aux données. Et puis, j'ai souligné aussi notre inquiétude sur la charge que les autorités locales et les policiers pourraient se voir confier sans avoir les moyens nécessaires pour y parvenir. Je vous remercie. Merci, madame Frémont. De plenaire vergadering van de vereniging, de vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapcommissie Iskesloten. Notre séance plénière de l'Assemblée réunie de la COCOM est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. Je vous souhaite un excellent week-end.